غم 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 راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. اليوم غادي نزيدو كاس مول الفطور مع رضا مول فنديرو سهرة رمضانية نعرضو فيها صحابنا لي ميوزيسيان لي شونتور نديرو قعدات نبارطاجيوهم. ايا قلنا بوغ فو اون فا فيغ دي زيد كاس سبيسيال رمضان باش نبارطاجي لكم لومبيونس تاعنا باش تسهروا معنا تشيخوا معنا. Et pour ce premier épisode, on s'est dit on va mettre du lourd. À chaque fois, il y aura des duos. Il y aura pas les gens wahadhom. Donc, il y aura Nazim Bakour, l'un des meilleurs guitaristes algériens en ce moment. Et à côté de lui, on a une révélation. Elle n'est pas du tout connue. Zahra. Sahabatna. Ah, c'est une amie à nous. Krenet Nifa Fihar, ça nous a épaté. On s'est dit, ce premier épisode. D'être succès le chanteur Lijabel Aris. Ah, exactement. Ah ouais. غنتنا انا زاي باتي درتنا واحد الريبيرتوار من الفيروز اللي هو لي دونفا غادي تشوفوها صوري كاع حتى كاين. المهم ديروا كاس البن ولا كاس اتاي ولا كاس اللي بغيتو ولا كاس ما ولا كاس حمود ولا كاس رويبه ولا كاس قهوه ولا كاع ايو شو بغيت نقول اباك انا قريب نتسحر وانا مشيت للي نارسي يا مسي جامي صحه صحوركم صحه فطوركم صحه صيامكم بو امبورت لورير اللي تسمعوا فيها. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format et j'espère que je peux comme Zef. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. On a pris beaucoup de plaisir. Très bonne écoute, Jma. Moi et Nazim ? Ouais. Oh, ben, via les réseaux sociaux. Hein. Donc, on a tellement d'amis dans, en commun. Que... Mais est-ce qu'on se connaît d'Alger ou... On se connaissait à Alger, mais on ne s'était jamais croisés. Okay. Mais on se parlait beaucoup. Enfin, bah, que quand t'es venu à Paris, on s'est capté à Paris. Voilà. Alors, je suis tout qui est où? Comment est-ce qu'on s'est parlé? Everything, cool shit. C'est vrai? Cool shit. Mais toi, tu connaissais son travail avant? Oui. Donc, t'as écouté où fait son travail? T'es Zahra, je la connaissais sur un autre volet, gars. Le gâteau? Pas du tout, gâteau, cool shit. Zahra, n'a qu'une chauffante pour qu'elle blade. C'est l'extrait de la blague. C'est vrai. Mazhar. Là, ça, non, non. Ah, bah, c'est non, gentil. Mais, non, mais attends. Non, mais tu sais, c'est intéressant, ça, Amine. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait des épisodes avec deux personnes. Là, viens, on rentre dans une honnêteté. Oui. Dis-nous la vérité, quand tu vois Zahra, tu vois quoi? Je vois Zel Kdema. Je te promets, je vois. Tu vois toutes les. Tu vois, c'est la, elle représente bien la femme algérienne. C'est vrai. Tu vois, en même temps, elle a ce truc, en même temps, elle a ce truc-là un peu traditionnel et en même temps, elle est spontanée. Et, tu vois, c'est un beau mélange. Moutilla ? Alors. Est-ce qu'il représente l'homme algérien ? Oui. C'est vrai ? Oui, l'homme algérien qu'on souhaite. Galais en Algérie ou Loukimaoua. Oh là là. Bah, non, ah, franchement. Ah, c'est la première fois qu'on te dit ça, je pense, Nazim. Hein. Nazim, il est très talentueux. Il est très gentil, très respectueux. Je l'aime beaucoup. Hein. Enfin, moi, je trouve vraiment... que vous êtes un peu dans la langue de bois, là. C'est comme ça que je la vois, vraiment. Oui, vois, mais non, toi, t'as été honnête. Là, de la Zahra, quand tu... moi, par exemple, quand je vois Nazim. Ah, là, je suis honnête, je vais te dire. Il m'a regardé là, il m'a dit Andek Sheikh Wahid. Non, Khalil Kimel. Bon, qu'il y a un surnom à chaque fois qu'il te l'a rappelé, on colle holo. Depuis toujours, on colle, t'es le John Mayer algérien. Aïe. En mieux en plus, parce qu'il joue de la musique de chez nous, en plus de ce qu'il fait. Donc. C'est vrai. C'est lourd à porter comme compliment. C'est vrai, non, mais Nazim, tu sais très bien que tu fais partie de. Aujourd'hui, Flagiri, quand on dit le mot guitare, il y a Nazim qui apparaît à côté. Je te jure, c'est fou. Là, il te dit Zahra, pour moi, c'est Zahir. Et Wenan Halija, quand il est venu à Paris. Dès que j'ai su qu'il était à Paris, je lui ai dit, Nazim, viens, il faut qu'on se capte. Parce que j'avais vraiment besoin de sentir avec la vibe d'Alger. Mmh. Et tu te rappelles, on a marché, on a parlé, on est resté. On devait se voir juste pour un café, on est resté jusqu'à 20h ou plus. Donc, juste parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit souffle d'Alger qui est venu faire un coucou à Paris. Mmh. Donc, Allah, c'est. Tu vois que. C'est vrai, tu as la guise d'Ida. Guise d'Ida.
Enfin, je dis ça. Mais c'est vrai que tu as raison. Moi, la première fois que j'ai vu Zahra, c'était au mariage de Amin. Pas Amin Benchakra. Je ne sais pas, tu as battu le recel. Battu le recel. Battu les candidatures ou lettres de motivation. Allah. Les mariages de Amin. 36 que je serai. Moi, je vais vous donner des réponses. On va faire le casting. Battu le halo. Khayr le halo. Tu as dit que tu as le premier épisode de Ramadan. Je vais vous donner des réponses. Je vais vous Non mais c'est vrai que je te rejoins aussi. Moi la première fois que j'ai vu Zahra fait est-ce que l'équipe d'être née tu sais il y a toujours des vidéos YouTube de meufs qui chantent super bien mais on voit pas leur visage. C'est vrai ça. Et ben moi quand j'ai entendu Zahra je fais c'est elle elle dit qu'elle est méchante. René t'es Hassné c'est ça René de plein de choses. Hassné j'ai animé le mariage de Amin Bah littéralement. C'est vrai, de l'animation. Regarde, on a Hassné. Regarde, on a قولي ده مكتوبي طن صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهدرة وتقلقتي سمعتي الهدرة وتقلقتي نخدع عمري بشي محال جيتي تبكي وظلمتيني بكلام الناس بدل الأحوال كلام الناس بدل الأحوال لا تبكيش قولي ده مكتوبي الدنيا صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهدرة وتقلقتي سمعتي الهدرة وتقلقتي فوالا فوالا حكيتي صاي صاي لا سيبريك زهدنا ذاك النهار علاش بابجا مي ابخي انا شكو دو سافوار بارابول زهرة اسكو t'es plus tu viens plus du traditionnel de l'andalou tu dis que tu as animé Fars mais tu as chanté quoi par exemple Fars fallait être là non mais je suis curieux de connaître cette facette de Zahra. Ouais parce que Nazim il savait pas que je chante. Ah, elle est super discrète par rapport à ça ou timide. Non, t'es timide. C'est Om Wali Talrona. Non, de base, j'ai pas animé le mariage de Amine. Mais c'était que voilà, il y avait c'était tellement une ambiance à cosy. Donc on chantait et puis à un moment on m'a dit pause, j'ai dit le micro. On m'a tlaqtou. Donc c'était mais on a chanté de tout, vraiment de tout. Mais est-ce que tu as déjà eu envie ou une petite idée comme ça derrière la tête de le faire plus sérieusement? Est-ce que tu as déjà écrit des textes? Anne des places t'écrit. Non, mais bien sûr, mais en fait, moi, ça me fait plaisir de vous écouter parce que je suis très content de voir que c'est en train de. C'est bon. Amin, j'ai de les mots de Tarhim, je suis nerveux. C'est derrière. Non, mais vas-y. Franchement, non. Jamais. Okay. Pourtant, quand tu traîner la première fois quand les bon, dites-moi après, que c'est un choix. Il y a des gens très talentueux qui décident de ne pas le faire comme sérieusement. Non. Enfin, ils laissent ça comme passion. Elle, en compassion, elle ne l'exploite pas. C'est-à-dire qu'elle aime la scène. En tant que passion, en tant que traîner, même de faire des morceaux pour. Tu connais plein de musiciens. Il n'y a pas que Nazem. Donc tu as fait plein de musiciens. C'était juste de se dire bon, je fais ça en plus parce que c'est important de faire de la musique ou de faire de l'art en dehors de Khadma. Ça me pète un câble. Oui, je suis d'accord, mais franchement, avec le quotidien qu'on mène en France, enfin, je sais pas, tu me diras, Ado, c'est des excuses, mais je trouve pas vraiment le temps. Ouais. Je t'assure, je trouve vraiment pas le temps de il faut le prendre, faire ce temps. Parce que c'est, il faut le prendre sur autre chose. Voilà, même maintenant, j'ai pas le temps forcément de faire de la musique ou là, mais j'essaye d'en faire au maximum. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Mais c'est pas encore venu.
Ça m'arrive de chanter quand je suis avec des amis, dans un mariage, un anniversaire, une soirée. Je fais parfois des open mic à Paris, mais bah pas voilà. beaucoup. Ça m'arrive de tu le faire. Tu fais des open mic à Paris? Parfois. Ça n'a jamais goûté. Comment est-ce le mic? C'est ça, oui. Pas beaucoup. Hein. Il y a un bar du côté de Hôtel de Ville que j'aimais bien. Donc, Edelo des open mic. Et ça m'arrive parfois de chanter deux, trois morceaux là-bas. Mais tu chantes quoi, du coup, hors répertoire algérien? Moi, je suis curieux de t'aider ça. Franchement, je chante un peu de tout. Mais j'ai l'impression que plus j'avance dans l'âge, old school. Oui. Je suis plus sur tout ce qui est algérien, oriental. Ouais. Je crois que même ma voix commence à vraiment se sentir plus à l'aise sur tout ce qui est oriental ou répertoire algérien. Au qui que tu serais la chaque petite semaine? Pink Floyd. Mais non. Yeah. C'est vrai? Mais et toi, Nazim? Un peu de tout. C'est vrai? Peut-être pas Pink Floyd, mais j'ai eu à ma période Led Zeppelin, AC/DC, du Nirvana, du rock, du blues. Après qui m'a galé maison algérienne, tu vois, quand on a le lot de cassettes avec ta cassette, tu vois, on a que Manny Dibango, Ismaïlo, Michael Jackson. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, c'était Kiltoum. Bien sûr. Avec Clapton aussi. Ouais. Dertle Clapel. Avec tu te tais et tu prends la guitare. Tout le monde a eu des frissons sur le plateau. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de périodes à ne consommer de bizarre Moussera. Beaucoup de styles différents. Pareil. Et tu te souviens la première fois que tu as commencé à jouer? Ou là, tu as eu l'envie de jouer? Ouais, j'ai commencé avec de la percu et de la batterie. Ouais. Nazim, arrive-toi en tant que batteur. J'avais mon frangin qui jouait, c'était le seul musicien. Hein. Matadal, il était guitariste. Et après, là, je rejoins. Franchement, c'était spontané, ça a commencé. Blemkale ou Blavessel. Voilà. Je te promets, j'avais un kit de batterie, tu vois, j'avais de la vaisselle, j'attachais des trucs, je jouais avec ça. Et après ça, on a fait notre premier groupe de rock, tu vois, qu'on a rare, ne répété ou tracht répété Bulbus ou tout la batterie. Ou la batterie. Mais ça avait évolué mal. Mais là, un des stands à Charles Tag. Waouh. Je l'ai cherché pendant longtemps. Afrika Beni Medical Time, qui est en retraite. Parce que toi, tu connaissais Nazim déjà de l'époque. Moi, je connais Nazim depuis 2008. Ah ouais. C'était la révélation de la batterie à l'époque. Parce que quand tu avais 17 ans. Mais avec... avec Inumedia, avec Rabba, Changa, Malek, Salim. Ahmed Bouzid. Ouais, Ahmed, c'est vrai qu'il avait rejoint le projet. Ouais. À la basse et tout, et quand il a la batterie, quand le rock, je me rappelle, il jouait très très bien de la guitare manouche. Bossa manouche. Quand branche, il a de la Et lui, il est plus axé sur le chant, tu vois. C'était plus il s'accompagnait, mais c'est un bon bluesman aussi. Ouais. Exact. Donc voilà, l'histoire de. Tu sais, c'est quoi tes morceaux, les Nettium Loulin, mais je les smettais. Je les ai drainés. Oh là là, j'ai chanté beaucoup de choses, Amine. Genre, t'as chanté les Floyd, genre. Another break in the wall. Oui, les Floyd, les Dire Straits, Groovy, plein de choses. Vraiment, je peux pas te dire. Tu fais le morceau de Loulé Renéte. Loulé Renéte, non, parce que je pense que je chante depuis toujours. Donc, maintenant, avec quoi j'ai commencé. Comme quoi. Ouais. Ça coule dans les veines. Oui. Non, mais c'est vrai que la première fois moi, que je l'ai entendu chanter, je me suis dit. Tu sais, tu te dis toujours ça, c'est une personne qui est faite pour ça et tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et tu commences à essayer de deviner, est-ce que c'est un mariage qui a mal tourné? Non, tu sais, c'est les premières choses qui m'ont dit, je sais pas, peut-être parce que j'ai évolué dans une famille qui n'est pas très... Tu vois, ils écoutent de la musique. Par exemple, mon père, il est très... C'est un mélomane aussi, il écoute de la bonne musique. Mais voilà, on m'a jamais
m'a jamais dit, ah, viens, on t'inscrit. Conservatoire de Jumeirah. Voilà, on m'a offert une guitare, mais je sais pas, ils ont cru que on t'offre une guitare, ça va, tu vas. C'est déjà ça. D'ailleurs, pas mal de morceaux avec ma guitare. Je reprenais des sons et j'essayais. À l'époque, il n'y avait même pas YouTube ou la Kemado. Là, maintenant, il y a YouTube. Tu peux toujours voir des tutos et tout. Mais à l'époque, non, c'était vraiment j'écoutais, j'essayais de reprendre des morceaux de Metallica ou de Nirvana. Mais après, bon, au bout d'un moment, voilà, tu laisses tomber, tu es axé sur autre chose. Donc, j'ai plus suivi le côté cuisinière, traductrice. L'oral arabe, al-fasiha. Non. Est-ce que c'est ça, parce que tu as fait l'oral arabe, c'est ça qui a fait que la musique orientale, ça t'a attiré, parce que tu fermais les paroles, tu fermais le ma'ani. Oui. Et puis, c'était un challenge. Figure-toi que je sais que j'ai commencé avec tout ce qui est occidental et tout. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment fait le tour de toute la musique du monde, on va dire. J'ai commencé à me dire, non, mais la musique algérienne, c'est waouh, c'est beau, c'est élégant, on peut faire la fête avec, on peut se relaxer avec, on peut, je sais pas, noyer son chagrin dedans, on peut faire beaucoup de choses avec la musique algérienne, il y a plein de choses. Et vous avez les ingrédients? Garde les ingrédients en même temps, wow. C'est difficile. Il y a la fête, chagrin. Non. Mais c'est de l'ordre d'œuvre, pas de raison d'être ça. Non, mais ce qui est sûr, c'est que parfois ça m'arrive notre sbah. Voilà, je mets des rails. Je mets du rail parce que ça donne, tu vois, la pêche. Je mets un rail et tout, je m'habille, je sors. En fait, dès que je monte dans le métro, je me dis, ok, des fois je balance un morceau de musique vraiment loin du rail, un peu de pop, ce qui se fait actuellement, parce que quand même ça va, on a des groupes qui produisent de la bonne musique en ce moment. Ou parfois, j'écoute carrément tout ce qui est Chabé ou Andalou, même si parfois ça fait bizarre, tu vois, des fois le cani, il a houlé l'écouteur, ou il se met à la ligne 9. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bon. Quand tu m'as à l'époque, Amr Zahef, c'est l'Erevern, c'est l'Erevern. Oui. Il y a un bug, un décalage. Moi, tu sais, à une époque, c'était un kiff. Je prenais genre rue des écoles, pas loin de l'Institut du monde arabe. Ouais. Parce qu'il a dit que la rue des écoles, quand tu la prends, tu marches, tu vois énormément de monuments. Tu vois, le Panthéon, vrai, après à droite, tu ouvres Notre-Dame. Jusqu'au bout, entre la mal Panthéon, tu ouvres la Tour Eiffel. Et en fait, je mettais que du rail. Et je sais pas pourquoi voir Paris, rail, c'est exceptionnel. Surtout de dauphin. En plus, c'était période étudiant, Kaouda. Le dauphin, je ne sais pas pourquoi il est là. Ouais. Il est présent. Même Nassaro, c'est un très bon accompagnateur. Ah, Nassaro partout. Nassaro State, ça marche bien. C'est vrai? Ah ouais? C'est un concept. Ouais. Je pense que ça serait cool. Vraiment, Nassaro, Tia? Non. Non? J'avoue, non. Et tu sais, là. Ah, vite fait. Ça m'a dit que je blague. On se met beaucoup plus le dauphin. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que quand on a eu un. C'est vrai. Ouais. Avec Reda. Okay. Parce qu'on était là, il y avait tout le monde qui essayait de mettre sa musique à la fin, après l'ERS. C'est post-l'ERS. After party. C'est l'ERS ou Daros, c'est un chat. On a gardé la musique. On a musique. Après, tu vois, chacun essayait de dire non, on a bad. Ouais, à chaque fois que je mettais une chanson, Reda, il dit من جبتي هذه كانت توجد هذيك تجيبها لك في المتش دونك فكرتو هكذا في لي زارشيف تو دونك سي سا كي ا فيك اي جافو كو توت لي بيرسون لي حبوا الدوفان جي بوكو دافينيتي هي غني الدوفان علينا الدوفان هي غني الدوفان انا ما نحبش نغني نحب نسمعو اه ما نتجلش مع الدوفان قلت لك نسرو ما كاينش لا 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 سي هي Mais Reda, c'est pas un jukebox, hein. Écoute, moi, ce soir, je vais me régaler. Des fois, on connaît pas les morceaux, des fois, il n'y a pas les paroles en place. C'est dur. Le rail, là, je pense qu'il n'y a que... Je chante quelques chansons de Aqil, de Hasni. Tu vois, je n'aime pas faire une chanson. La voix qui... Après, c'est un style particulier à chanter. C'est Kima Chabé, tu vois, c'est pas... Je ne peux pas t'attaquer comme ça et chanter un truc.
Moi, par exemple, il y a quelques chansons de Chabi, Tagrouabi, j'arrive à les chanter. Ouais. Parce que voilà. Notamment Sata Kagrouabi, mais pas Dauphin. Je t'écris. Mais attends, la chanson que j'aime le plus, ta Dauphin, c'est Je pense à toi. C'est vrai, elle est Je pense à toi. C'est groove. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ouais. C'est l'une de mes chansons préférées. Après, j'avais 14 ans, Kikhir Jet, 14, 13 ans. Je fais Dauphin le Kazif. Il fallait que je raconte ça. Tu fais où le Kazif? Là, il y a les Kazif. Tu as fait des Farajis. Ouais, ouais. Marat, tu m'as fait. Je fais où bien. Neuf Kazif, je fais où bien. Je fais les cœurs de l'armée rouge, le Kazif. C'est pas vrai. Oh là. Moi, j'ai vu César et Vora, le Kazif, qu'on a fait, ben. Ben, par quel nom? Ils aiment Darus Lakom. Ah. Ben, mais c'est une chance. Ah oui. C'est la seule fois où une chef de Rjalf public algérien est piqué. Ah ouais. Choc. C'est ça. J'ai jamais vu ça. C'était le seul concert où une... Même t'es que tu piques. Ah, maintenant. Ouvra. Ouais. Je pense à toi, je pense. Tu peux m'accompagner, Zahra, la deuxième. Ya Omri, mazal nbghik. Akhtar man rouhi, ou malgré b'aidalik. Nansitik j'mon amour. Ya Omri, mazal nbghik. Akhtar man rouhi, ou malgré b'aidalik. منسيتكش من أمور منسيتكش من أمور أنا سفريت عمري وبكيت حتى من قلبي رشيت Je pense à toi, je pense Je pense à toi, je pense Juste un kiff, juste un kiff. Vite fait, hein. Mais peut-être qu'un jour... Parce que d'ailleurs, Abelkom, oui. Open mic, là, j'ai chanté la chanson Ta'aqil. Et je me suis dit, bon, ça va, il n'y avait pas un gars. C'était bien et tout. Et bien, clairement, je vous jure, des fois, les open mic, comme Ta'aqil, il y a des fois, il y a des gens, ils viennent, ils chantent, malheureusement, après, ils se frôlent, ils rohent. Mais tout, il faut oublier vraiment les rythmes bien en algérien, elles sont captivantes. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, ils ne comprennent pas, mais ils branchent. Donc, ils étaient vraiment branchés. Bonjour mademoiselle. Vous êtes algérienne ou marocaine? Je suis algérienne. Ah, qu'elle est chauffée. Je connais quelqu'un, il joue, je sais pas, il joue des instruments, tous les instruments que tu veux. Tu viens, tu chantes avec lui, t'as 200 euros. La soirée. Habit tourné, tu sais, qu'elle a dit que... Clou, chauffe. Avec l'endroit, moi, c'est le mouel du 17e. Non, je te parle du open mic. Mais c'est vrai que Moussika Ta'ana, toujours déjà, moi, ça fait 15 ans que je suis en France, toujours une soirée haka, qui, où une ambiance me cache bzef, je te jure, ça réveille tout le monde. Et après, mets ce que tu veux. Mais genre, encore là, il n'y a pas longtemps, j'ai un pote, mais vraiment parisien, tu vois, il a fait une. انا ممكن تعاوج بفعل دي ستاند اب على بالك ان جور بعدك تقرا المات ما عندكش شريكي ان جور اونفرا ان ايبيزود رينك سيغ سا ان بليس اون بارلي افيك ما مير يا با لونتون قلت لها جو مي سوفياندري توت ما في دو هذاك النهار نبع الحنان عاودي ذاك النهار لاش تومبي تحسب شدك الدوله ما تشدكش امك اي اون فيت هذا داري اون فوا اون سواري وين il a invité Haka, Sahaba, je te jure, c'était nul, ça prenait pas. Des fois, t'as des soirées de la râle, me cache Haka là. Je te jure, la sonne,
Ça a relancé la soirée. Après, je te jure, les gens ils ouais. sont levés, ils ont dansé. Ouais. On est à l'origine de Zahou. Oui, oui. Tazou, tu vois. Tu veux Tazou. Qu'est-ce que je renie à Tazou? Mais Lyoma avec Nazim, qui te l'a rien tout à l'heure, on a choisi quelques chansons pour ça plus c'est vrai chill ça ma soirée ramadanie ça ma men ruksoch ça ma gada de quoi de gadi ça ma ouais ça ma on se connecte mais on peut ندير لك وحده هكا زعما شويه هكا هكا تزهو شويه semi ambiancé genre tu bouges mais de ta place hey ça hey. لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملالي لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال سوبر رشراش بعيد سوبر رشراش بعيد اصحابك بعيد اصحابك سوبر رشراش بعيد اصحابك خويا ما جاش ساكن عالنبا ساكن عالنبا ويا لالي لالي يوم ملالي لالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي لالي لالي يوم ملال سوبر رشراش في طريق عريضة سوبر رشراش في طريق عريضه سوبر رشراش في طريق عريضه خويا ما جاش اصبحت مريضه اصبحت مريضه ويا لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي ولالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي لالي لالي يوم ملال لالي لالي يوم ملالي لالي لالي يوم ملال خموس خموس تبارك الله عليك والله أم والي تعالى C'est mon nouveau surnom, ah, je vais changer. Snipex. Je vais changer mon surnom sur Instagram. Mais ça serait quoi ton nom de scène si tu avais à choisir? Omo Alit. Elle a déjà ça, Zahra Nserin, c'est trop bien. Ouais, c'est moi, bien. J'imagine déjà la pochette. Yeah. Zahra Nserin, juste Zahra Nserin. Sans la photo, pour rester dans la tradition. Ah, non, c'est moi. Les compliments, les mariages, je ne m'attendais pas, franchement. Pourquoi tu ne t'attendais pas? Je sais pas, un good luck. On va te dire que tu es là. Oh, on est dans la famille. Voilà. Deux compliments. Non, on va se fruit. Voilà. Ah, dis les compliments. Madame, madame. En plus, c'est pas tous les jours. Qui c'est pas tous les jours? Anna Zitkas. Parce que ah oui, c'est vrai. Ah, non, mais je suis trop laissé à l'époque. Ah, tu l'étais. Zit Kassetei. Parce que tu chopes le kahwa. Léum, Raham Anna Daif Jadid. Amin. على بالك واه شكون امين الله يسر بيلات راهي بعيد على الميكرو اليوم معنا ضيف جديد دلمو ما راهش معنا راه اوكيبي اليوم دوكو راهي يصلي في التراويح الله يقبل الله يقبل تعينا بالرحمه خويا دلمو اليوم جارو بلاصه نجمو نجمو داير يبخون دي فوتو اي سيغمون فوز انتوندي كيلكو نوت qui Zahra Tghanni, en plus de la guitare de Nazim, vous entendez sûrement quelques notes au clavier. Et c'est Nijmo aussi qui est derrière, qui est en train de les accompagner. Aïe, aïe, aïe. Zidzili, zidzili, zidzili. Ayaou, ou hadi. Fi khatar, l'khatar, ou l'khwatar.
واللي غايب واللي حاضر واللي يبغونا واللي يكرهونا في خاطر الزهرة أم والي تاع الغناء ولا عندنا في بليك في خاطر مايا واسماء جات بالكرو جات بالكرو جات مع الغانغ ديالي مع الكرو با وي un peu de soutien un peu de soutien non mais c'est bien ouais. c'est bien même ouais. sous le king jamais j'ai wahda en tout cas c'était na wallah غير رانا متخلوين bien franchement la vibes مع نازم merci même معاك امين امين حكايه احنا نلعبوا الموسيقى احنا toujours امين حكايه امين حكايه كبيره non mais j'ai en fait il faut savoir que cette idée de faire des épisodes spécial Ramadan est très très récente Maréda on pensait pas le faire on a déjà des épisodes classiques entre guillemets et on s'est dit bah je sais pas il faut faire quelque chose en plus l'idée de Jetney avec une Jetney l'idée je me suis dit faisons ça sur les concerts ou les programmes sont pas adaptés à Ramadan. Récemment, il y a eu la diffusion de le film Rai Rai et Awali Tchir. Genre, à 7 h la chier. Ça y est, toi, tu as filmé. On a gagné à Sherba. Exactement. Je suis gagné à Sherba. Je suis gagné à Sherba. Exactement, en plus. Ah ouais. Et nous avons les références. Nous avons les références. Nous avons les références. Nous avons les références. Nous avons les mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, et en fait, les idées, enfin, on connaît plein de personnes, Reda et moi, qui font de la musique et tout, mais on captait pas. Et c'était une évidence, à un moment donné, je me suis dit, ça, Zahra, je la connais Nazé, mais on peut pas mettre deux musiciens qui connaissent pas, tu vois, genre là. Ah, c'est vrai, hein, finalement. Et l'idée de ces épisodes, c'est que, attends, comment tu m'as communiqué ? On a joué, vous, on commandait. Dérouhadé. Bah oui, allez, haram. On est là pour la percussion. Anna, franchement, aujourd'hui, je suis très contente déjà de voir Nazim, parce que c'est un ami. Mais aussi, je découvre que voilà, je le connais depuis longtemps, mais j'ai jamais pensé à lui dire, Nazim, viens, on fait de la musique. Viens, on essaie de chanter. Viens. J'ai l'impression qu'on est en train de se découvrir. Déjà, je vous dis, je suis certain, parce que moi, je connais ses talents. La belle et Blake Nazim, c'est un grand. Mais je suis certain. Enfin, 92. Non, après, bon, je ne vais pas parler à ta place, mais j'imagine, je suis en train d'imaginer que tu seras à l'épisode avec Zahra. Je me dis, mais Zahra, je vais te dire. À moins qu'il va chanter, moi je vais faire c'est un tiramisu. Ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit Zahra. Zahra, là. Il s'est dit Ramadan culinaire. Voilà. Avec l'émission de Oum Walid. Finalement. En fait, pour tout te dire, je pensais plus que tu allais. C'était une invitation où tu allais parler plus de ton côté professionnel. Moi, je dérive Fiatek à côté, tu vois. Oui. خويا ما كتبش عليك حنا كرهنا بروفيسيونيل بغينا ولا حاجه واحده اخرى بغينا الزهو بغينا الزهو نو مي فوالا دونك يا سيت ديكوفير دايور صرات لي اوسي يا لونتون افيك ان امي اوسي رحنا لان اوبن مايك هو تاني شونت دايور ايلي ا مارسي ماتنون اي قلت له تيا جي مي مون برينون اي تو اي اوبن مايك يفو كو تانسكري اي تو من بعد بحال صافي قلت له تو ماكومباني قال لي بوركوا تو شونت oui, Zahra, c'est pas un karaoké, c'est un open mic. T'es sûr? J'ai dit oui, mais on va chanter quoi? J'ai dit je sais pas. Bah écoute, on monte sur scène. Je sais pas, Dir Hesni, un truc comme ça, on va le faire. Il m'a dit oui, mais j'ai jamais chanté avec toi. Je dis mais panique pas, t'inquiète, toi tu fais de la musique, moi je te suis. Il m'a dit ok, d'accord, il était pas du tout à l'aise. Peut-être là, non? Et quand on a commencé à chanter, c'était Haka venu. Ouais, le flow est... Et là, je vois que c'est je suis en train de revivre ça maintenant avec Nazim. Mais... Et je pense que dans 10 ans, on va dire, comme lui, il a parlé de Cesaria Evora, on va dire, on a vu Zahra. On était 4. On était 4. Oui, peut-être. Who knows. Non, on est 6. Désolé, des fois. Là, on a 8 heures. 4. Donc finalement, j'avais raison. On a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je t'ai fait ça, Brenda. Ah, le mat. Tata, allô, tata, qui te suit. Voilà, j'ai dit, c'est avec moi, tu as une notification. Qui t'a le podcast? Je t'ai dit, c'est pas. Ah ouais. Qui te publie? Vous êtes les rapports. Donc là, elle va écouter. Je suis curieux là de savoir. Moi, là, qui te suit sûrement. Tu me diras ce que tu penses de Zahra.
زهرة زهرة شو في ميزك ما شيت اسمه ما كن وا ما كولا ما شوف السؤال فهمتوا السؤال توما فهمتوا لازم تفهم السؤال في ميزك انا اسكو غادي نبوزي لك كيستيون نقول لك في ميزك على امك فتو جامي فير اون دوفينيت سور تا مير تو لا كوني تا مير اه واي سي Non mais je rigole. Alors ta maman, je pense que bah je pense que tu m'as l'andalou, non? Non. L'andalou, non? Non. Bah c'est trop cliché peut-être. C'est trop cliché. Moi, parce que Clinton, là. Elle écoute du rail. Rock. Non. Tu sais quoi pour là? Tu sais du maintenant rock. Que ma mère elle écoute. Je sais même pas cette semaine. Ma trop cliché Soul King. Non. Et pourtant ma mère elle adore The Voice. Genre ma mère, tu sais quoi, des fois, bientôt Radin Chiri ou la fauteuil qui met à The Voice, ça t'adore au gars. Ma mère, elle regarde ou là, elle commente. The Voice France ou The Voice Middle East? The Voice France, gars, gars, voice set, gars. Les gars, ils t'ouvrent la tu fauteuil, ils dorment, moi, j'aime bien. Ils vont me défouter à la coiffeur, tu la croyais The Voice, la coiffeur. Non, mais sérieusement, c'est mal. Elle écoute un peu de tout, ma mère, elle aime bien un peu de tout, vraiment de. Je pense après, bon, c'est le. C'est... On est quand même sur des trucs un peu anciens. Hein. Tu sais, je sais pas, balak sur le mot Umkeltu, Mwarda Jazairia, balak Chouia Andalous de temps en temps, elle aime bien. La nouvelle génération, peut-être, elle aime bien Souad Messi, par exemple. Je sais qu'elle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'as fait une grimace. Non, j'ai rien fait. Si, non, si, t'as fait une grimace. Parce que, non, j'ai. Non, frère. Vas-y, c'est pas grave. Non, mais on s'en fout. T'aimes pas Souad Messi? Non, mais c'est pas. Mais avec un avinette, non, on s'en fout. Là, on va peut-être couper le montage. Ouais, couper, mais ouais, normal. Mais ouais, non, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais ça me parle pas. Il y a une seule chanson que j'aime bien. Mais tu as le droit, normal. Mais voilà, le reste. C'est subjectif. Je pense que c'est jamais presque Hadja, c'est normal. Exactement, c'est après, quand même, Andra son public. Mais c'est quelle chante, pardon, je t'ai coupé. Moi, si je suis en train de connaître, tu es là. Le monde Zahra, c'est quoi? Quelle chanteuse a pu t'influencer ou t'inspirer, algérienne? Bon, de Fadela Dzeria. Of course. Ouais, vraiment, Fadela Dzeria. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de voix féminines. Est-ce que quelqu'un peut... Si, il y en a. Il y en a, je sais. Par contre, dans la nouvelle génération, il y en a dans peu. Dans la nouvelle génération. Mais avant, il y en avait beaucoup. Si, il y a beaucoup de femmes qui chantaient. Il y a énormément de femmes qui chantaient. Dans la nouvelle génération, je sais pas. Dans la nouvelle génération, il y a... C'est toi le musicien. Normalement, c'est toi qui dois répondre à cette question. Parce que c'est toi qui es tout le temps sur les routes. Tu dois être sollicité pour jouer. Nouvelle génération. En fait, ouais. Là, en ce moment, il y a eu un boom. Tu vois, où il y avait beaucoup de voix, beaucoup de projets, des Banouf, entre 2001, on va dire, et jusqu'à 2015. Peut-être là où tu as été en 2016-2017, ça a rechuté. Ben. Et là, où les projets de Kharjou, il y a. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Tfriktou. Voilà. Tfriktou, c'est. Tu as des exemples de gens où ça a super bien commencé et... Ouais, exemple. Je sais pas, au hasard, à l'arrache, il y a un band, même l'Ouest, les Jaristes. Ah oui, Jaristes, c'est vrai. Ça défonçait ce truc. C'est vrai, c'était bien. Les Jaristes, waouh. Ouais. Il y avait quoi d'autre? C'est le carte. C'est le carte Samir Fares. Ah oui, Samir Fares, oui, c'est vrai que c'était un peu, genre, style Ben Harper, un peu. Non, non, mais Ben Harper. Genre, il imitait un peu Ben Harper, Samir Fares, non? J'aime bien des liens. Je ne sais pas, comment. Regarde une fois qu'on s'est fait la vidéo. Sans juger le contenu, tu vois, juste déjà l'initiative ou l'entrepreneuriat, tu vois, de projets musicaux. نقص بزاف نقص مي قلت لك il y a eu un boom mais là on رانا في une phase وين ça rechute et Jabli Rbi depuis une vingtaine d'années c'est le même graphe qu'on voit en Algérie tu vois. Bon, je suis en train de faire une analyse normal ça tombe bien parce que tu as beaucoup de projets libanais par exemple il y a eu une époque
Il y avait les premiers albums, c'est Afrik Lane. C'est vrai, après il y avait cette émission aussi de Yazid Aït Hamadou Chlarhma aussi. Ouais, on Yazid, oui, il y avait beaucoup de choses. Sariel Tagger. Ouais, on découvrait plein de gens comme ça. On découvrait. Ouais, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas de plateforme aussi dans laquelle on peut découvrir des gens, parce que mine de rien, passer dans une radio comme ça, où tu sais que tu auras une vidéo qui sera sur YouTube, potentiellement elle va buzzer, il y aura des Nassikis Boulé qui vont t'encourager, ça te donne de l'énergie pour continuer. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, ça manque un peu d'une émission comme ça, amateur. Tu as parlé de El Hanouche. Ben, ouais. Et moi, je te rejoins complètement. Bon, après, moi, je ne suis pas dans la musique, mais je suis juste un consommateur de musique. C'est vrai que. D'ailleurs, peut-être, je dis à Amine, des fois, peut-être, c'est limite égoïste. Mais c'est pas un égoïste. Ranné les hadis. Parce que même moi, des fois, je suis en manque. Hein. Même Spotify, il y en a un hâte à l'fait. L'algorithme, il y a un peu de mal. Je ne sais pas si tu m'as. Je sais que le chab, le jazz, on manque kber de culture en général. Ouais. Tu vois. Et alors là, de musique, vu que c'est un grand consommateur de musique, où les dernières années, je n'ai pas envie de faire le buzz, mais je vais le dire quand même. Quand je sors en dehors d'Alger, surtout au Maghreb, Tunisie et Maroc, les gens ailleurs consomment plus les artistes Tawana que les Algériens eux-mêmes. Ah ouais. Anasrat Liwinana, tu veux, moi j'accompagne des gens, si tu veux, je suis un sideman. Ouais. Je suis pas censé être front. Quand je joue avec une tête d'affiche, les gens ils connaissent pas, ils connaissent. J'ai accompagné par exemple Belich, il y en a des chanteurs de Raïoula. Ça m'est arrivé de voyager. Blad وحده اخرى بان الناس تجي تهضر معايا انت لازم تجو avec cette personne et avec cette alors que Zahir ça l'aide beaucoup moins tu vois. Ouais. Donc les gens ils sont vraiment branchés à ce qui se passe chez nous, où on le voit donc à Fly, où c'est le seul secteur qui n'a pas été touché par la crise, tu vois, c'est un secteur autosuffisant, ils produisent leurs propres albums, ils s'autofinancent et d'art les gestes Zahra Swarda. Ouais. Et donc Huma, tu vois, ils ont jamais connu la crise. Ils tournent, ils ont leur réseau. Je suis allé à un site web, je suis allé à Bilal Sghir à l'aéroport. J'ai déjà joué avec lui, donc on se codait. Je suis allé, ça va. C'était la période de la Covid, il n'y avait rien. Même ailleurs, il n'y avait rien. Je suis allé à Bilal, ça va, je suis allé à Stockholm. Je suis allé au concert. Tu vois, leur réseau, il ne s'arrête jamais. C'est incroyable. Et là, je me rends compte que ces gens-là continuent à produire plus pour le Maghreb que l'Algérie. Parce que maintenant, c'est Mandash Axel Mosera. Mis à part Kabariat, et encore, Kabariat, je dis que genre des chanteurs ou là, des spectacles de qualité, c'est que très l'asbzaf, mais Chab, monsieur tout le monde, il n'a pas accès à la musique. Et encore, on fait de plus en plus, de moins en moins de Aras avec du Ali. Ou... Ouais. Ouais. Avant, il y avait même des restats de Chabit, le Khafkash Ars, tu vois. Ouais. T'as une famille, Zama, qui m'a dit. Une grande famille, entre guillemets. C'est vrai. Moi, quand chantait, COVID, tu vois. J'étais dans un. Oh, non, mais c'était Zahouania, donc je sais pas si du ça coup, compte. Là, on avait une art. Si ça compte, hein, les méchants. Si ça compte, t'as eu la chance d'assister à Aras, c'était Zahouania. Je sais pas, peut-être j'ai dit n'importe quoi, mais. Nazim, on n'a pas beaucoup de scènes, mis à part des festivals. Oui. Alors que tu vas juste dans des pays voisins. Tunis, la culture de la life, ça fait 5 ans, oui. Ça a explosé. Oui. Il y a des bars où c'est un bar qui paye la billetterie. Et qui paye, quand je dis billetterie, je parle billetterie d'avion, plus la prise en charge, et ils arrivent à avoir des subs pour donner des cachets aux musiciens. C'est-à-dire, le bar, il est booké des artistes Mgadri. Ça nous est arrivé avec Ifriqi Spirit d'être booké dans un pub et de booker une tournée de pub en plus d'un festival. C'est ce qu'on faisait dans la Bouffée Plaza. On a un grand festival et à Dekhlas Koulish. Et les autres, on book des pubs à gauche et à droite. Fidzer, tu ne peux pas faire ça. Iji Band, il a booké, il est invité par, je ne sais pas moi. Team Gad, ou là, on va juste, tu vois. Ah, tu parles. Exemple. S'ils veulent faire autre chose, ils ne peuvent pas, en fait. Et J-Lab, et R-Tayar, tu as des rats. Et toi, tu m'as dit, quand tu vas ailleurs, les gens te connaissent. Donc, ça veut dire qu'il y a des spécialistes de Nazim Bakour, quoi. Pas des spécialistes de Nazim Bakour, mais c'était pour dire, je suis à que ces gens s'intéressent vraiment aux projets musicaux, Tana.
Oui, ils essaient de comprendre pourquoi les collabs et tout. Au point de connaître les musiciens qui tournent avec leur artiste qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'ils connaissent Joe, c'est qui le batteur, c'est qui le bassiste, et ils vont regarder un peu comment ça match et tout. Mais comme nous, on faisait quand on regardait un groupe de rock. Tu t'intéresses au chanteur, tu t'intéresses au guitariste. C'est ça. C'est qu'on s'intéresse à la fabrique de la musique. C'est toujours la même chose. Hein, j'ai un grand consommateur, t'es à Moussaka. Mais Doka, c'est flou, tu vois. On lui a enlevé cet aspect, t'es un spectacle vivant. C'est mal artiste, t'es à Ouchoufou, pour de vrai. Donc là, c'est juste les réseaux sociaux. Et voilà ce que se partagent les gens sur Internet et sur leur téléphone. Ça reste du digital, c'est-à-dire des voix, enfin chanteur avec sa guitare, il renaît, et ça lui suffit ça lui suffit pour après être booké et tourné. Donc il a pas besoin de créer de produits, de travailler avec des musiciens, gars. Ouais, après c'est le live, c'est aussi une éducation, c'est une habitude, il faut le vouloir. Hein. Bah ouais. Tu sais, c'est un peu. D'ailleurs, même des fois, même comme le cinéma, des fois, même, tu sais pas, tu vois la nouvelle génération qui a brillé Netflix, je sais pas si plus tard ils vont aller au cinéma. Vrai, parce que, en plus, même maintenant, il y a des gens, chez eux, carrément, ils installent des gros vidéos proches, trucs pour leurs enfants. Tu vois, donc. Ça va t'aider aussi pour la culture du spectacle français, je me rappelle. Après le Covid, les gens procrastinent et ils voulaient pas aller voir le spectacle. Et puis, ils les attendaient qu'ils sortent sur Netflix. Oui, pour voir les spectacles d'humour ou les concerts d'ailleurs. Ça, je pense que c'est l'un des pires trucs que j'ai pu vivre dans ma vie. Bon, j'exagère, vie d'artiste. Ouais. Les concerts en streaming. Ouais. T'en as fait ? Là, il y a les. Sans public, ça veut dire sans public, c'est ça que t'as déjà. C'est très bizarre. T'en as fait, toi ? J'en ai fait deux ou trois. Ah ouais. Mais Dieu merci, ça a existé parce que ça a permis d'avoir des sous et de passer le cap à Dak. Bah, c'est pas ce qui nous a permis de passer le cap, mais disons que ça a aidé un tout petit peu. Mais c'est bizarre. De jouer en face. C'est comme si tu tournais une session live, tu vois. Moi, j'appelle pas ça un spectacle. Oui, c'est une session live. Mais c'est dans une des salles de concert, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Parce que c'est la 50 qui m'a terrain de foot vide, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Tu ferais le Madrid-Barcelone sans public. C'est une répète. Oui, t'as l'impression de répéter. Tu as un natif le Covid, tu te dis. Tu as un natif le live. J'ai cuisiné. J'ai posté. Non, j'avais mon frère qui me mettait la pression. Chante, fais des lives, essaye de faire des trucs. Mais allez, je cache ton visage, et fais des trucs, mais je sais pas, je l'ai pas fait. Fallait mixer les deux, il fallait taïber ou traîner en même moment. Peut-être, oui. Ah ouais. Eh oui, peut-être. J'ai pas pensé. Bon, on attend la 15e vague. Je te donne de bonnes idées, là. Je fais ça à la 15e vague. Je te donne de bonnes idées. Mais c'est vrai, ça. Ah. Plutôt dans la dub. Tu vois, t'imagines, je fais un gâteau. Où le maquereau de Talio fait là. Je suis à Madnous, je suis à Chiche. Voilà. Où le batata. Oui, bon, bah, c'est comme ça. Mais je tiens quand même à revenir au sujet. T'as les artistes algériennes, surtout femmes. Ah. Donc, Anna, je suis d'accord. Je sais que pendant une période, on a vu avec quelques voix, surtout El Hanoua Chabab et tout, il y a 3 ou 4 artistes, mais voilà, elles sont là, mais pas là, malheureusement. Mais après, il n'y a pas. Après l'Algérie, Mahamara Bletal. On a des chanteurs, vraiment des chanteurs de haut standing, tu vois, mais qui. Oui, mais j'avoue que je ne suis pas la bien placée pour parler des artistes. Parce qu'une fois, j'ai dit ça, on m'a dit, oui, mais tu as voix féminine et tu ne vas pas chanter. Ah ben. Après, oui, tu parles d'un truc aussi important, c'est pour une femme, c'est pas facile de se lancer dans une carrière de pro de chanteuse. C'est pas facile, oui. Et c'est pas comme si on a beaucoup de circuits. On a la femme algérienne qui va décider de se lancer dans la musique, elle va pas trouver beaucoup de secteurs, tu vois. On a Fdzer, c'est quoi les secteurs pro? Tu as le corporate, tu vas jouer dans des hôtels ou dans des endroits pour un événement privé, ou bien jouer pour un hôtel pour animer le coin, ou bien le circuit des mariages qui est un tout autre monde. Tu as les musiciens, les chanteurs de mariage, c'est un monde à part. Et c'est pas facile à faire aussi, c'est super dur. Et tu as les cabarets. Et à côté, je suis à le secteur, tu as les concerts et tout ce qui est un peu.
festival. Oui, national. Là, tu fais de l'andalou, tu chantes parfois, tu fais quelques scènes, et puis quelques scènes formes d'art. Voilà, l'andalou, je mets ça avec le côté concert. Concert. Donc, c'est pour ça que je continue de chanter chez moi, dans ma cuisine. Ou de avec mes amis. Et encore, ça va, Doka, j'arrive à chanter. Plus de l'ogradis, c'est mon courage. Et l'ogradis, bah, tout le caressé. Oui, Watagonish. Et là, j'ai regardé des titres en ligne à Lyon. Moi, je me rends dans les ailes. لكن عين التاني فالفا كل ونداياها ما والرياق الحد خزيمي والرياق الحد خزيمي ونيوف نغمس يا وحال عدسك ما اتشانو دادا عويني اتشانو لادا عويني دوني تتروح تكفى تنجر دي الحرفة تبو دغر لاخر نسمة تبو دغر لاخر نسمة القومي بدا الصيفة يكتر دي الحرفة وهمن وكوي ذاك يغرى وهمن ولك يغرى يا رب اديك فول بطل من عصد دي الساعة من عصد دي الساعة والرياق الحد خسيمي والرياق الحد خسيمي الحد خسيمي صحيت. Bon, je sais que j'ai déformé un petit peu les paroles. Je m'excuse. Ça me fait les cabillophones. Je m'excuse, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup et je connaissais pas. Je connaissais pas l'émotion de ce morceau, hein. Avec la première fois que je l'ai écouté, c'était quand ? Ça fait un peu cliché, ouais. Mais je l'ai écouté dans l'avion. J'avais téléchargé une playlist et qui écoute déjà
enfin une playlist faite de tout, hein, mais je sais que de la musique algérienne. T'as du hublot, gars. Hein? Soit t'as le hublot, gars. Même pas, j'avais pas le hublot, j'avais pas trop le hublot. Et un rabla s'appelle E. Voilà, découvrir le morceau à la Kebrak. C'est, oui, je te jure. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est que. Je sais pas, que soit le Kebrak ou découvrir un Belich. Genre Michael Jackson, il existe. Ah ouais, ben je sais. Oui, mais ce qui est bien, c'est que je pars du principe de. Il n'est jamais trop tard. Hein. Ouais. Des choses. Ouais. Et du coup, ça te rappelle le moment du départ? Le moment à le départ, parce que j'avais mes écouteurs et j'écoutais, je laissais la musique défiler à quel moment. T'as écouté quelle version? T'as CD bémol? T'as CD bémol, oui, bah, t'as CD bémol. Parce que, en fait, faut savoir que l'original n'est pas du tout Agda. Je sais, oui. C'est ça. Alors, hard découvrir l'original, t'es choqué. Parce qu'en fait, CD bémol, il a réarrangé. Oui. Ou vraiment, d'ailleurs, une sauce, tu vois, un peu. Il a mis très atmosphérique, très. Très sérieux. Mais l'original, ouais. C'est un truc super festif, tu vois, avec des voix aiguës. Ou... Vraiment, le blood, quoi. Ah. Voilà, non, mais d'ailleurs Amin the Hand, je crois, Out Half, Cook Studio, je savais pas franchement qu'il a Out découvert après. Il a été repris tellement de fois, aussi. Super version, t'as Samira aussi. Samira, oui, c'est vrai. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, carrément. Samira, on parlait de chanteuse. Samira Brahmiya. Samira. C'est tout Samira. Les chanteuses, Kainin. Kainin, donc ils ont fallu dans tes trois mains. Ils ont moi, tu sais quoi, je veux bien qu'il y ait des gens qui ils ont parce que ça veut dire qu'ils vont venir, tu vois. Ça veut dire que, on va dire que c'est de la provocation. Donc, c'est les affaires de côté, Rouah. Marhaba bikoum. Dans le dark of Kailate, Kishorba Kailbourak. Mais franchement, les voix de café féminine, t'as Zahir, l'élan de Zahir, qui est Mounia Chatal, que j'aime bien. Moi, j'aime bien Asma Allah. C'est une tuerie, ça va. Oui, oui, aussi. Mais j'avoue que. Anna, je fonctionne au feeling. Mm-hmm. Bah donc. Oui. Il y a aussi Kautar Mzriti. En fait, oui. J'ai l'impression qu'il y a un avant et après la chanson. Avant, on a dit il n'y a pas les voix et tout. Maintenant, vous êtes mais en train de citer non, plein de gens. Que, parce c'est pas, on n'a pas dit il n'y a pas les voix. Kunangolo, en fait. Mamshi Beno. C'est ça. Il y a une chute de production, tu vois, artistique, Kainin, féminine. Non. Je peux te citer, il y en a pas mal de chanteuses. Hainin, mais, en fait, il faudrait faire un concept d'émission, tu sais, pour récupérer tous ces talents, tu sais. Ou d'aller par surprise avec les caméras. Carrément. L'émission. Présenté Nico Saliagas, bonsoir. Oui, mais c'est vrai que les artistes. Qui sera la prochaine Walid de l'année. Ou là, on a par exemple un groupe algérien, Nhbou Bzaf, mais bon, je pense pas être la seule, Les Bess, c'est même en Dzaïr, Nhbouhom et tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont un énorme public en Tunis. C'est incroyable. Bah oui, ils jouent énormément. Tout à l'heure, donc, quand tu parlais des tournées et tout, Tunis et tout. Je me suis rendu compte, Blake, c'est vrai. Ce que je te disais, après le concert de Marseille, il y avait trois Algériens. La première fois, je te la baisse, je suis en Tunis. C'est ma bzaf, cette expression, c'est qu'on a kulish. On a ce truc-là, j'avais. C'est vrai. C'est pas pour dire que c'est faux, là, c'est pas vrai. Bon, la musique appartient à tout le monde. Au Maghreb, de la région, on a pratiquement la même culture à certains, tu vois, certaines, je sais pas, nuance. Ouais, bien sûr. Houma, c'est juste qu'ils consomment et qu'ils vivent de ça. Ils font vivre. Ils ont une industrie de la musique. Ils ont une industrie de l'art. Qui te rend le Maghreb, l'autre, tu as un tabal barra. Tu as le souhaira. C'est le gars qui fait ce qu'ils appellent la manche, c'est-à-dire il a barra, musicien de rue. Qui te trouve le passeport, tu as un tabal barra, tu as un tabal barra, tu as un tabal barra, tu as un tabal barra. Quand il va dans un quartier, il est très respecté. Il y a le bâtel, il y a le bâtel, il y a le bâtel, l'État a un autre. On sait, c'est pas pour être dans la lamentation. C'est normal que si tu fais. C'est un patrimoine qui est préservé de façon orale parce qu'on est africain, c'est comme ça que ça se transmet. Ou les gens, c'est eux qui ont des diwan, qui m'ont fait Chabi, qui m'ont fait Ahl el-Lil, qui m'ont. Gnawa. Et ces gens-là, s'ils partent et s'ils vivent dans des conditions où la mère son art, déjà, s'ils
il est pas obligé de, il est pas amené à produire des choses ou à jouer sur scène, à ne pas actualiser son art, à ne pas transmettre, à ne pas inviter des gens. Ah, ou flikflignaoua عندهم ce qu'ils appellent gzgoud. C'est l'apprenti qui gère et يخدم le maître. هو غادي يخيرو على حساب لا voix تاعو parce qu'il y a un certain feeling, il voit en lui une certaine relève. Idjibou, il assiste à toutes les lilates. Et de temps en temps, il va lui donner le gombri, il a un morceau. Et de temps en temps, il va lui donner un morceau à chanter. Et puis deux, et puis trois. Et c'est comme ça que ça se transmet. Mais il a un khalou à gref lilates. Ou chabir à gref l'aras. Ou ça sort pas du contexte cérémoniel, tu vois. Mais c'est normal que l'onkadonkolo, il donne la koulish. Eux, ils font vivre la chose. Du cas, c'est devenu presque exotique, tu vois, d'être musicien. Ah ouais? Il y a la guitare, il y a les gens, d'ailleurs, l'Algérien, il y a Bladou. T'as déjà entendu, toi, t'as une liste de phrases bizarres. Tellement. Un des triplettes. Anna. Gengello. Moi, hein? Zerboto Gengello. Dover Zerboto Gengello. D'ailleurs, chez Bob Marley, c'était une insulte. Ah, une insulte, c'est un Bob Marley. C'est vrai. Ça m'a l'air avec les locks sur la charcuterie. Ah, c'est vrai, c'était exact. Le nombre de fois où j'ai entendu des. Ça m'a surtout ma charcuterie. Le gars, on a la guitare. C'est moi là que j'ai rien d'un musicien. Là, j'étais jeune, on a la guitare. Alors que Chabna Fennan. Bien sûr. تحكم نخر تاع لي زالجيريان حافظ 70 غنيه شعبي وين لي بارول سان ليفر tu vois de عندي وين les gens ils ont ça en tête ou تبدلوا راي كيف كيف il a tellement c'est des encyclopédies تاع موسيقى ما هذاك monsieur tout le monde et c'est triste que ça soit haka qu'on soit coupé de la musique je vais pas parler des raisons voilà voilà c'est arrivé comme ça il y a tellement de paramètres qui après, en jeu après tu sais moi mais, je peux te parler vraiment du on va dire par exemple du monde de l'humour mm-hmm. où je ressens la même chose ok mais je t'avoue qu'avec le temps j'ai un peu en fait je suis en paix avec l'idée que ça ne soit pas on va dire qu'il n'y ait pas un marché, que ça soit pas institutionnalisé, qu'il n'y ait pas vraiment genre une vraie réflexion autour de ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la vie de tous les jours, elle est tellement drôle qu'il n'y a pas besoin d'aller payer pour voir un mec qui fait du stand-up. Mais tu sais, des fois, c'est... Un œil à l'Algérie, tu sais, des fois, j'ai peur de monter sur scène parce que dans ma tête, je me dis... Il y a de fortes chances que la moitié du public est beaucoup plus marrant que moi. du coup, je me dis, ouais, mais en fait, peut-être que c'est, tu sais, dans ma tête, qu'il y a une sabarrohe, tu vois. Ouais. Je me dis que je sais pas si c'est lié à ça. Et du coup, quand tu me dis Blinasir Ney ou gars, je me dis peut-être que, il dit que j'ai pas besoin d'un wahdir Ney, il y en a un autre. J'ai pas besoin, non. L'Algérien, il s'haq stand-up, il s'haq musique, il s'haq. Non, je suis d'accord avec toi, je dis, mais t'as raison, le côté underground, non, mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que ça regorge de talents. Dans chaque wilaya, je connais au moins, on va dire, entre 5 et 10 musiciens, mais vraiment, je suis level, comme on dit, tu vois, vraiment des gens ou avec. Peuvent faire une carrière internationale ou qui peuvent produire ou vraiment ils dorment, c'est pas la question. Juste que y a pas, tu vois. T'imagines, t'es un musicien, on a joué dans un groupe qui s'appelle Fouker Rassemblé, où on a. C'était une fusion entre Nord-Africain et Ouest-Africain. Et on avait fait un groupe, c'était à l'initiative de. Walid Khalifé, c'est un Algérien qui vivait à Londres. Du coup, il nous a rassemblés, on a fait des résidences, Flafrique. Le projet s'appelait Chauffe le Djanou. Et du coup, l'idée, c'était de tourner en Afrique. Et le chanteur, qui n'a jamais sorti de Qsentina, Amin Lachili. Une putain de voix, tu vois, c'était... Et Amin, voilà, la première fois qu'il a chanté, c'était devant 2000 personnes au Ghana. Et le gars, il tremblait, tu vois, avant de monter sur scène, alors que c'est un talent... Parce qu'il n'a pas eu l'opportunité, tu vois, de faire des petites scènes, de faire des petits concerts, tu vois, à Qsentina, à Flakharoub. C'est rodé. Ce qui est à côté parce que c'est mort. Il n'y a rien, en fait. Après, je ne dis pas que même en France, tu me dis que je vis là,
à la barra, il n'y a pas grand-chose. Mais tout de même, il y a tellement d'argent dans la culture, Anna, que ça fait ouais, vivre même les tout petits projets. C'est incomparable. C'est incomparable, mais à même pas le tu sais, quand on parle d'Algérie, à chaque fois, on refait le monde. Mais... Non, faut pas rentrer dans la comparaison. Je compare pas. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'essaie de voir des fois les choses haka dans l'absolu. Et je me dis, mais pourquoi en fait tu après vois, je me régale hein. Quand je voyage d'ailleurs on fera bizarre tu vois de connaître ces circuits underground les marauds les lagnawa les marauds les heka tu vois je vois oui, mais bien sûr mais dans ça nous arrive à tous de rencontrer des gens talentueux mais c'est vrai je sais pas toi mais moi j'ai avec le côté de je me dis peut-être je l'ai vu là peut-être c'est la dernière fois tu vois parce que tu sais pas quelle est la durée de vie du mec tu vois parce que là il a oui tu sais pas demain sa vie elle change donc ça veut dire tu sais qu'il vit pas de sa musique mishi hayati hatta tous les jours ça veut dire que c'était belle que t'es arrivé au bon moment au bon endroit où il était bien c'est un taxi hier taxi ou là كان يدير الخرب الخروب قسنطينه فرودار ماشي نوطا تاكسي فرود ولا clandestin et tu vas mais Kima Koltoui, tu sais pas, ce gars-là, à travers le projet, il a fait une tournée, bah, il y a des résidences, le Canada, Côte d'Ivoire, Rahmshal Estates. Ah. Il a retourné plus tard. Oui, il y a un gars qui est en train de faire ça. Tu as gagné le taxi. Je prends la nef pour le moment. C'était comment le. Comment ça s'est fait que Joe Stone l'a buté avec vous? Enfin, avec vous, Walid, du coup. C'était mal de chanter, mais le charab, justement. Tu sais, Justin, c'est une tête de... Je me demande, c'est vrai, je n'ai jamais pensé. La rencontre, c'était quand il y a une tournée mondiale. Et c'était un truc de mécène, le mécénat, je ne sais pas si on dit ça. Ouais. Et du coup, elle jouait des coins et les gens donnaient des dents. Partout, elle choisissait des villes à travers le monde. Chaque ville, elle choisissait un groupe ou des musiciens. Qui checkait juste sur internet, Kalushkin fait déclarer Jean, et la prod contacte les gens. Est-ce que ça vous dit de faire ça? Envoyez-nous une composition à vous, avec les paroles. Du coup, elle rechantait les paroles dans la langue du coin, une Hairaïha. Et elle avait fait une série de vidéos, hack derrière, partout dans le monde. Et où j'étais le Zahir, ou Hadnar, Ktboul, la prod, t'as le Fokre, et comme qu'on a Koulouahdouin, qu'on a Rerana ou Amin sur Alger. Et donc, ils nous ont dit, voilà ce que ça vous branche de faire un morceau. En tout cas, c'était un beau projet. C'est magnifique. Ça, c'est un beau projet, t'as vu comme quoi, il suffit de rien. Voilà, ouais, des fois, Anna, franchement, je le dis, Anna, quand on relève, je déteste l'expression, t'as chaque chaque dirhana. Ou la lâche matroach. وين نروح كما قال لهم وين جي شوف وين جي allez les plus belles opportunités les journées tu vois dans ma carrière de musicien c'était en Algérie ça me dit les راح درت les plus belles tournées tu vois les plus beaux les plus belles collabs donc ça n'a pas l'opportunité mais dis forcément وين c'est vraiment le chemin qui t'amène ou là les circonstances qui t'amènent à un endroit donc ça veut dire que l'Algérie a des opportunités pour sortir tu vois non mais c'est vrai que ça veut rien dire la musique comme t'as dit tout le monde peut chanter tout le monde peut s'approprier un truc d'écouter le refaire dans sa sauce et tu sais pas comment tu peux avoir une rencontre musicale avec quelqu'un ou une time ça match. Il dit que je sais plus qui a dit cette phrase, mais je sais que c'est, je crois que c'était Dizzy Gillespie. Il dit que si tu prends pas soin de la musique, elle prendra pas soin de toi, tu vois. Elle va t'oublier. Mais si tu fais les choses comme il se doit, ben un jour, tu vois. Même les Nas, par exemple, je sais pas, je peux citer un bonhomme, par exemple, Kader Japoni. Kader, il a fait 10 albums. Après 10 albums. Ouais. Bash, il a commencé à faire du succès et sa musique a commencé à se propager vraiment. Et parce qu'il prenait soin de tu vois, faire du rail avec des icos, à arranger, à aller en studio, dépenser de l'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans ça. Et un beau jour, le gars, ben, c'est une tête d'affiche et il se fait booker partout. Et là, il a fait Dubaï, là, il a fait ben, partout quoi. وانتي سبابي عايشتيني في الضوء
هيا عليا كل يوم نحيا ونموت وانت سبابي عايشتيني في الدور حيا عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يا راي يا راي غيتي لك مال وقلتي لي ساي وانا في عشقك وحدين بطي تهمتيني وقلتي داير راي داير راي داير راي مالك يا سير دو موند اختي يا سيدي زعما مصباح وبيش تي سي جالي ا مومون ديغ او زهره مصباح انا نهضروا وبيش قالت لي سور سون تيليفون vous n'avez pas l'image les tapis je lui lâche ce téléphone non mais t'inquiète je suis très connectée à Nazim aujourd'hui donc et là je me dis si j'allais te dire ouais زهره وراك انت دانس انا سامع هذاك هكا لا ميوزيك دو فون زعما غير قال جابوني تحسب اونيا تاع غنا هو هو بدا يلعب يتغني Cadre japonais, oui. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nazim. C'est qu'il y a des opportunités partout, surtout pour les artistes. Et puis, comme il a dit lui. Azher, Azher, aina ma kunt. Ah, c'est beau ça. Sahel. قلتي وجدتي لنا عفسة أوريونتال قلتي تقولي عفسة. أنا دائما عندي الأوريونتال. دائما. Je viens plus de genre là. Allez, c'est un chaté que l'oriental. Je suis chaté, mais avec une guitare, c'est délicat. Qu'est-ce qu'il y a avec une guitare, c'est délicat. Je suis un peu de barras, je suis un peu de barras. Il a fait tout. Il a fait tout. Il a dit déjà, la première fois que je t'ai rencontré, je crois que c'était 2019, c'était au. Où on était là, la soirée là. Ça a non. Le maqam, non l'Olivier. L'Olivier, c'est vrai. Eh, mais tu l'as qu'il y a l'Olivier, mais j'ai fait quand on a mal à Zim, d'Islam Gadouche. Ma Islam Gadouche. Islam Gadouche, tu l'as qu'il y a Islam Gadouche, tu l'as qu'il y a Houa. Moi, j'ai vu que tu étais un bon musicien. Tu m'as dit, je suis guitariste, lui, c'est sûr, il joue bien. Point à la ligne. Donc ça veut dire. Sans guitare, je veux dire. Ah oui, sans guitare. Putain, cette soirée-là. Était mémorable. Khalil Birbokhta. C'est bien. Mais sinon, qu'est-ce que tu fais, Florian? Je fais connaissance avec Nazim. Non, mais c'est super intéressant de voir que vous découvrez tous les deux, même si moi aussi, je découvre Nazim. Nazim, je ne pensais pas que tu parlais autant. Non, il sait parler sérieusement. Il ne fait pas que des blagues pas drôles. Non, là, en plus, tu sais quoi? Juste avant que j'ai dit à Amine, je lui dis, attends, là, on va inviter Nazim. Nazim, il parle. C'est vrai qu'il m'avait dit ça. Je lui ai dit, oh, je sais pas. Nazim et Gassar. Qui connaît Gosto et Gassar? Au pire, il va jouer de la guitare. Voilà. Au pire, Khalil Zahra t'adar assez. T'inquiète pas. Ah ouais, pour le coup. T'adar arabie, français, anglais, arabie, fosha. Enfin, algérien, je veux dire. Zahra, tu as dit que tu حكينا شوية شكي تخدمي ما نشخبان نطرف بروفيسيونيل ما خذك تهدري بروفيسيونيل داكور اوكي تريني ما كيش مشكل Non, non, c'est juste parce que tu vas pas juste pour. Attends, tous les productrices. Comme ça, pour que les gens ils sachent un peu ce que tu fais. Non, tout, je travaille sur. Bon, allez, vas-y, je vais dire. Je vais faire un peu de pub, tiens. Voilà, il dirait la pub pour team. Qu'est-ce que je travaille sur le développement d'une certification pour l'évaluation du niveau de la maîtrise de la langue arabe. Ah, donc, c'est un peu le TOEFL, t'es à l'oral arabe. Ça m'a libéré, vous dire qu'on puisse Algérie. Il faut tout d'alf. Là, j'ai Chip Dalf. CIMA, ça s'appelle le CIMA. Ah, le CIMA. Certification interne. CIMA, CIMA le Barda. CIMA le Barda. Tu es déjà adapté, mais je te ferai un Zouar. CIMA, il y a un peu le CIMA. Soit Zouar, soit Bouzrea, d'ailleurs. Rien CIMA, pas toi. Soit égal, les guitaristes, Zer, Bouzrea. Et puis mais les bons groupes Khardjoum Babzouar Babzouar Tim Babzouar Tim Babez Gaga Babez il y en a 1, 2, 3, 4, 5 il y en a 5 Babez Tim Bouzrea Habilbi avec les gars de Babzouar tu sais pourquoi on se check parce que réellement ils sont 12 dans l'armée en fait ouais je voudrais être aux médecines quoi même je sais pas allez tellement de look
que genre quand tu en sors, genre on se regarde avec le regard. Le coucou. I feel you. Tu sais, quand tu rentres à Babzoir, il fait moins de 10 degrés. Vraiment le bab. C'est mal berd. Non, c'est incroyable. C'est ma glace. Ah, c'est ma glace. Eh oui. Babzoir, on a 3 épisodes. Mais je suis ouais. On me dit pour Index, il y a quoi les hommes. Comme ça, on est sûr de ne rien rater. Je connais out, c'est ma Index ou Akbar. Qu'est-ce que je pense? Parce que c'est une période où je m'a pas et puis, tu vois, je remets, je les albums, je dis, vas-y, je remets ce qu'il faisait avant. Regarde, c'était waouh. Quand tu réécoutes la musique que tu écoutais en étant jeune, mais... ça fait pas si long, c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Ça a bien vieilli. Ça a très bien vieilli. Ça a très bien vieilli, Index. Arabica, c'est un morceau magnifique, même parole. Pour les moyens qu'il y avait à l'époque, et pour aussi, il fallait dire ce qu'il disait. On sortait d'une période compliquée. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça a très très bien vieilli. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que tu reconnais un bon album. Yes. Oui, c'est quand il prend de la valeur à plus de taul, quoi. Plus tôt, le plus hésite là. On en a parlé dans le dernier épisode, mais Samir Arjoum. Samir Arjoum qui fait du cine, qui n'est pas forcément dans la musique. Et Index, ça l'a touché, alors que le mec, il n'a pas grand à voir avec la musique. Mais grâce à... C'est fou, hein. Ouais. Ah oui. Pourquoi tout le monde me regarde? Parce que nous avons fait le film. Ah, le film. Je vous... Maestro, tu avais chanté tout à l'heure un morceau. Ça cherche à les chercher. Qui que tu sais là que tu te mets chercher, que tu te mets rotana. Oui, j'ai eu une période aussi. Je m'intéressais à la musique. MTV, elle est bien. Là. Mais si. Quand ma Zahra Guadalupe, mais Guadalupe, où est-ce que tu as dit Cassandra. Cassandra. Ça a été une fois. Je ne connais pas. Sincèrement, je ne suis pas du tout team. Télénovelas. C'est vrai. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas dit que la patience de suivre. Qu'est-ce que tu as dit, Mansi? Même pas. C'est Maya. Elle te tag. Mais non, c'est pas moi. J'ai jamais été très série. C'est pas mon truc. Je suis très gâtée en ce moment vu qu'il y a les podcasts et tout parce que c'est ce que j'aime. J'aime tout ce qui est audible, mais okay. Mais à regarder une série. Est-ce que tu te mets sur le arabe, tu vois? Non, je ne sais pas si c'est. Mais en podcast. Mais j'ai tendance à j'aime plus que je trouve. T'es ma radio. تيما راديو وي كنت نسمع بزاف لا راديو يا ما تجي لا فام كي خرجت جديده سي تي او شغل اي كنت نحب البهجه اوسي بكري كنت نسمع البهجه موح ليالي ماشي موح ليالي مي كنت نحب نسمعها صباح شي با كش واحد كان يسمع البهجه بكري جو كرو كي يافي دو بيرسون كانوا يجوزوا لا ميوزيك ابري الفجر enfin je sais pas si quelqu'un peut me confirmer ça mais je crois que il y avait واحد يحب الزاهي كان يدير غير الزاهي من الفجر و يافي واحد كيحب غير قروابي يدير غير لي مورسو تاع قروابي من الفجر حتى تلحق ليميسيون تاع شيخ فرحات تاع كيقول لا ميتيو شفاو شفاو سي سي انا في دو زيميسيون تسمعهم بزاف سيتي بلاك اند بلو تاع عدنان في الليل وي كروس رود وي هادو سيتي لا شين 3 هادو تيملي هضروا فرونسي تو فا يا بيكو دو لا ميوزيك ان فات جو تروف كو لا راديو تاعنا خصها بزاف موسيقى. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que bon, les chaînes de Kima, Smahajil FM, elle a un peu devancé à une époque l'Okhren parce qu'ils mettaient plus de musique que de blabla. Quoi. Que de blabla, oui. C'était vraiment sympa. Et puis là, en ce moment. On s'en fout du blabla. non, parce que c'est vrai, il y avait beaucoup de. C'est vrai. Sahbidzer fait la circulation. Il y avait beaucoup du coup, de. À un moment donné, mettre de la musique, quoi. Ouais. Là, sinon. Coincé dans les bouchons. Ou là, sinon, si tu mets une émission, il faut que ça soit du blabla hard qui donne envie d'écouter. Mais par contre, je crois que c'était Crossroad que j'écoutais, qui a nous des morceaux rock et ouais, tout. C'était très blues. Et d'ailleurs, rock. À l'époque, quand tu as dit la cassette, je voulais capter des morceaux parce que voilà, il faisait à l'époque, mais quand je me suis mis à la musique, quand même, ils sont regardés. Mais le hard à l'époque, où on écoutait de la musique que sur la télé, sur des chaînes.
Donc, quand ça passait la radio, je crois que c'était le moment hein, quand je mets le poste d'y aller, je mets la cassette, donc, donc il fallait... Bon, mon, je passe le coucou à mon grand frère parce que je sais que vous avez des cassettes. Tu faisais partie de ces gens-là? Oui. Les t'ma Zahim va aller sortir avec Pink Floyd. Face A, Zahim, face B, Pink Floyd. Non, mais c'est pas ça le pire. Des fois, c'est... Alors, il y a des gens, ils enregistrent même pas au bout. Ouais. Donc ça veut dire que ça fait Pink Floyd et d'un seul coup Zay qui apparaît. Je suis partie des premiers à avoir fait des mash-ups. Si t'as envie d'enregistrer, nique toute la cassette. Pourquoi juste ben, mais... Oui, oui. Mais je fais partie de cette team qui enregistrait la chaîne 3 des morceaux. J'essaie vraiment d'être à cas rapide parce que j'ai avec le jingle, t'as un 3, mais trop le chaud aussi, tu vois. Nazim, je suis certaine que t'as fait ça. Il y avait une option Flip Post où tu pouvais enregistrer ta voix aussi. Aussi, oui. Je faisais plus ça. Oui. Bon, Nazim, écoute, Nazim, il était tellement fort à l'époque, il n'avait pas besoin d'enregistrer. Kalis Maronia, il la refaisait direct. Il la refaisait direct. Pas à ce point. Les générations qu'adam t'as les musiciens, c'était ça. Ah ouais. Ils s'arrachaient les cassettes entre eux, ils s'échangeaient les disques aussi et relevaient à l'oreille. Donc, ouais, Et en fait ils minaient pas des bitcoins mais des disques. Ouais. Alors, je pense qu'on va faire un mawal. Marhaba bikum fi sawt al-arab. Oh les gars, désolé, la gratte, elle n'arrête pas de se désaccorder. Qu'est-ce que ça, Imam Alish? Alish, normal. Là, voilà, c'est vrai, là, c'est vrai. Tu m'as dit qu'une guitare qui soit motani, là. Ça, là, qui me zahit, n'est-ce pas? Allah, regardez les auditeurs. J'ai un dread, là, اليوم رانيش عندي اليوم رانا البودكاست بوا بريمير فوا عند امين عند امين وي سي فري بودكاست الحل وي امين اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وي صاي اكورديت خويا اي 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 لما بعد يتثنى لما بعد تتنى حبي جعل فتنى أمرنا ما بلحظة أسرنا غصن تعنى حينما لما بدا يتثنى لما Why?
بعدي ويا حيرتي من لي راحي وشكوتي في الحب من لوعتي إلا مالي كل جمال إلا مالي كل جمال إلا مالي كل جمال أمان 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 صحيح Alors moi je veux te dérouler la chaise à l'envers. Alors moi je vais te prendre dans mon équipe pour le jingle. Okay. Merci. Est-ce que c'est une chanson qu'on écouterait quand celle-là? Cette la chanson. Oui. C'est quand pour ça? Pour le mettre goût, faire tarek. Ça m'arrive de m'habiller tarek. Ça m'arrive de m'habiller de Moi, je suis vraiment, c'est tourat, c'est ancré tourat l'arabie. Je crois que Fayrouz aussi, ça a été aussi fait en version un peu jazz. Ouais, super version. Non, Haka. Talina Shamami, ouais. Est-ce que vous avez des chansons comme ça, Haka, Sama Kinguru? C'est des rituels. Tu vois, par exemple, avec Bli Hed Ronia, avec le moment. Elle a une des périodes à Fayrouz. Ouais, c'est une période avec l'album. Lequel? Qui est Jiwa Kto et Zim Smao Hakan Deru? Il dit Khtara Flam. C'est l'album Smoufi Amel. Il est assez récent. Smoufi Amel. C'est son fils qui l'a composé. Chou ma ptachrah. Tahki ou tachrah li ou t'oul. Bess Habibi. Habibi. Tanerja la mishmaou. عندي سنون وفي عندي أرمي بعرف شو يعني إذا أنت بعيد بس حبيبي حبيبي تنرجع لك مش مقوم في أمل في أمل أوقات بيطلع من ملل في أمل في أمل أوقات بيطلع من ملل وأوقات بيذكرني فيك لو نعيش بابيك بس ما بينسيني شو حصل رغم الزهر اللي متلي لحقول شو ما بتحكي وتشرح لي وتقول بس حبيبي حبيبي تنرجع لقش ما قول وي هذه هي تبقى فريفي هذه je pense que si Nazim il aime cette chanson, c'est qu'il doit aimer toutes les chansons que Ziad a fait pour sa mère. Parce que moi, je suis une grande. C'est Oulid, c'est ça. C'est Oulid d'aller composer l'album. Après, tu as l'époque. Bada. Après, moi, je suis plus. Enfin, les deux, mais j'aime beaucoup Ziad. Donc, c'est Ziad Rahbani. Ziad Rahbani. Wow, alors, c'est le même qui a composé la BO Tanahla, pour information. Oui, je sais, oui, ouais. Bien sûr, ouais. Oui. Sabah ou Massa. Ah oui, le duo, c'est. Ouais. Voilà. Et ce morceau. Blind test. Ça fait. Sur l'album. Wow, ça fait quoi? Je reconnais à peine, mais. T'as fait rose ou là, t'as Ziad? Fayrouz. C'est sur le même album. Ouais. Ça s'appelle Il y a aussi Kibra al-Mizha. Ah ouais. Il y a aussi parce que Fayrouz, ce qu'elle a fait avec Ziad était énorme, c'est-à-dire on retrouve des
ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce qu'elle faisait avec l'album. Il est super jazzy. Super jazzy. Vraiment, c'est un album à écouter. Alors, tu connais Hadik Il y aura du taf, hein, purée, après. وشك بيذكر بالخريف ترجع لي كلمة تاني بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف هيدا مشتاق يا حبيبي هي قصة ماضي كان عتيق بس هلا ما بتذكر شكل وشك بس بذكر قديش كان لي بعده قليل بعدك ظريف بعده بيعني مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا صاروا بعض هوا حكياتي وحكي ولاد لكن كله ما عم يمنع اشتاق لك مدام كل سنة في خريف The autumn leaves just by my window autumn leaves تعاونوا لي هنا نا 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 C'est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais Moi qui t'aimais C'est ça? Bravo, bravo! Voilà, l'album jazz de Fayrouz, ça va? Ah, écoutez, superbe référence. Ouais. Bon, bah écoutez, allez, on parle. Zigadi Fayrouz, là, je veux Nazim et Zahra, là, vraiment, depuis tout à l'heure, vous faites des reprises, des frères. Quand est-ce qu'on vous paye une résidence? On en parle bientôt. Alors, voilà, là, les auditeurs, à ce moment-là, je veux que tous vous m'écriviez un message. Dites-moi combien vous êtes prêts à mettre pour financer la résidence de Nazim et Zahra pour qu'ils sortent leur album. Donc voilà, là, je veux que tout le monde m'envoie un message sur Instagram pour, voilà, pour nous dire. Voilà. Et je pense que si on arrive à une certaine somme, combien ? Adam, c'est normal. Bien sûr, ben, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Ben hein, oui. Tu sais, on ne sait pas. Hein. Allez, je l'appelle Harbi. Torah Bishallah. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est important. C'est, on redit encore une fois, on va reblablater qu'il faut que Moustami'ouna ou Moustami'atna. À chaque fois, corrigez-vous au niveau arabe, faut ça les auditeurs. T'as dit que c'était comme ça. Corrigez-vous l'arabe, mais le financement, draham, swarad pour le fennanin, c'est très important. Bien les sûr. Musiciens, et quand il y a un concert, 12 euros, 13 euros, 10, 15 euros, 20 euros, il faut aller les voir, il faut financer. Même comme tu as dit, par exemple, une fois, Nazim, tu as dit, mais quand même, tu as dit. Pareil pour moi, la dernière fois, il y a quelqu'un qui s'est produit là où je travaille. J'avais acheté mon ticket et puis j'en ai eu plein d'invitations. Donc, bon. Donc, c'est important. C'est toute une culture. T'as Donc. Anna Kholoa, on a J'en sais quelque chose. Ouais, t'inquiète. Oui, surtout quand tu produis tes propres spectacles. Quand t'es en auto. Ou t'as Blabietri. Exactement. C'est quoi, c'est une blague.
Mais bon, c'est pour revenir à vous. C'est notre culture, vous, c'est ADR. Pour revenir à vous, c'est quand même incroyable. C'était pas prévu, ça, le Fayrouz, là. C'est génial. D'ailleurs, bon, ça s'entend. Hein. Je sais qu'on va avoir des pros qui vont dire... Ouais. Ah, écoute, on s'en bat les couilles des pros. Je connais les pros. Hadou, les pros, venez, payez-nous des profs de chant si d'ici, on chante mal. Là, c'est la première fois que je chante avec Nazim, vraiment. Après, Anna, je le dis toujours, l'entourage, tu as les musiciens ou les artistes. Surtout les musiciens, il y a beaucoup de musiciens talentueux qui ne font pas le pas ou ils font des projets. Parce que généralement, quand tu es un musicien, tu vas jouer dans plusieurs projets. Donc tu fais les coulisses, tu as les projets, l'entrepreneuriat, tu as un projet artistique, c'est quoi. Et souvent, ils ont peur, même s'ils ont des créations, des choses à eux, ils font des le pas. Et faut toujours le rappeler qu'on ne fait pas la musique pour les musiciens, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Si tu crées un truc, c'est d'abord pour toi et pour l'oreille de la plus large qu'il soit possible. C'est vrai. Mmh. C'est pour ça que même après des années d'Ahmed ou là, des gens télé dans le rail, ça ne se passe pas, alors qu'en fait, c'est pas c'est leur ça, culture. C'est pas leur... C'est pas et leur puis là, des fois même, quand quelqu'un tombe sur un morceau, t'as un style qu'il n'a pas l'habitude d'écouter, il te dit, tu sais, j'écoute pas de rap ou là, j'écoute pas ça, mais j'adore ce morceau, tu vois, juste parce que c'est authentique, en fait. Ouais. Il a fait en sorte que le morceau... Bien sûr, ça te touche, et puis c'est tout. Kimana, par exemple, je sais pas pourquoi la musique, enfin la bossa brésilienne, ou la même, quand on parlait de César et Evora... J'allais t'en parler. Trisna. Va comprendre César pourquoi la musique capverdienne... Moi, César et Evora, frère, avant un moment, elle était... Hadja. واه عندها هذا الكوتي حاجه كيما تاع انا هكا عندها حاجه ريميتي انا كي نشوفها نتفكر هكا جداتي ولا نتفكر هكا جاي في بالي مو دون ما تيت جو سي با بوركوا نحسها مفهمي ديجا الغيزون بالعربيه بور مو تاعنا سي فري سي فري اي تو سي اي بور مو اي مو جو لاسوسي نا مو جو سي با بوركوا شي ميم با سك شونت هان مي جي لامبريسيون كو سي شونتيست على الغربه مو جو مو جو لا مي كيما دحمان و سي ساريا. Et en fait, et ça m'arrive très souvent d'écouter Césaria Evora quand je suis un peu live, qu'il soit YouTube à l'Olympia, où elle met du temps à arriver. T'as ces musiciens qui jouent pendant 10 minutes avant qu'elle arrive. Et généralement, celui-là, je le mets et je me pose. Et voilà, j'ai l'impression d'écouter quelqu'un de... Qui te parle. Ouais, qui me parle. Pourtant, je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Et qu'elle me touche au plus profond de moi. Tu chantes pas Césaria, toi? Non. Merde. Non, goûte bien. Tu m'as, elle est faillée. Donc, tu as mis le liste de l'ouest. Elle est bonne. Zidou, Edda. Mais les chanteuses, tu as un. Non, tu sais, attends, tu sais quoi? La dernière fois aussi, Flares, tu as chanté aussi quelqu'un que j'aime énormément. Est-ce que j'avais chanté? Parce que Gulti, à chaque fois qu'il dit l'ironie, il dit, oh, Zahra. Ouais. À un moment donné mais à un moment donné c'était même plus des chansons que tu mettais, c'était des chansons que tu chantais. Tu es parti sur World of Jazairi. Ah oh. Nazim, oh. Nazim il a dit oulala on va te la bouler, je peux le projet ou le futur. Non mais là on revient un peu à ce qu'il disait. Aujourd'hui, l'art manishka mode guitariste, un mode fdar. Mais c'est bien ça. Oh, la les accords chez le wahbark. Accord dar. Et tu peux chez le wahbark si tu veux. Mais justement, en fait, il fallait que tu viennes. Oui, c'était le principe. Ouais. وانت معايا بتونس بك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بك وانت معايا بتونس بك وبلاقي في قربك دنيايا ولما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي يا
La prochaine fois, Gnandi. Il y a une version Spotify payante. 30 secondes, tu as ou c'est une version de Twitter. Abonne-toi. Je ne sais pas si c'est moi, mais tu es algérianisé à la version ou là, c'est moi. Elle est algérienne, Warda. Non, non, mais tu es avec. Non, ou là, c'est moi qui. Ouais, ouais. Mais ça, c'est l'effet Nazim. C'est l'effet Nazim qui a fait le même effet sur Nazim Denden. Et Amine à la Derbouka. Nazim Bakour, tu as fait un effet sur Nazim Denden incroyable. Je trouve. Attends. Je trouve. Okay. Tu l'as dit. En fait, tu l'as dit en mode tu trouves, mais au fond de toi, tu sais que c'est. Non, c'est comme quand tu dis à quelqu'un Haja, il le sait, il te fait. Tu trouves. Non, mais t'es la deuxième personne à me dire ça. En fait, Tana Nassim, avant, j'avais écouté ses morceaux, vraiment ce qui sortait sur Internet. Je me suis jamais penché, j'ai mis les albums de Nassim ou Smato. D'ailleurs, l'Eldo qui m'a zalo, tu vois, il me tease un peu sur ça. Dès que t'as, ouais, vas-y, t'as pas écouté les albums. Ou... j'ai trollé. Qui sort l'album, il se met 2 ans après, en fait. Hier, ça bien, monsieur. Et du coup, je savais pas. Oui, il est très algérien, mais dans sa façon de composer, ou là, il essaie de faire ça un peu à une sauce un peu universelle, et va plus pour l'exporter. Et là, Hadlam. Il s'est retrouvé avec une team. Après, c'est par rapport aussi aux musiciens avec lesquels il collabore. Ça a du bon, mais les derniers temps, c'est comme un retour aux sources, quoi. Tu vois, il va aller puiser dans les rythmes. Et puis, quand t'as un Youssef Boukla à la basse, tu peux pas faire autrement, tu vois. Ouais. Tu as fait la tournée avec lui? Ouais, on rentre tout juste, d'ailleurs. Ouais, on ne sait pas. On est rentré ce mois de mars. Mais moi, je l'ai senti, tu sais, quand vous avez fait cette soirée-là au Royal Est, la toute première. Ok. C'est là où j'ai. Sous-sol. Avec tes roots, quoi. C'était. Frère, moi, Nassim, ouais. Je le connais depuis plus de 20 ans. Je ne l'ai jamais vu comme ça. De toute ma vie. Ok. De toute. Je le vois comme ça. Et après, je regarde. Bon, il y avait Youssef, les nouveaux. Il y avait toi. Et comment il s'appelle le batteur? Hassan. Ouais. Et Hassan, et du coup, donc je me suis dit, ah, ok, on n'est plus sur Timothée. et du coup, ouais, y a eu, je sais pas, et c'est un effet positif, hein, comme je te dis. Tu sais, Anna, par rapport à ça, j'en parle souvent aux chanteurs, avec c'est très dur de trouver un son à toi et de savoir, parce que généralement, comme tout le monde, musicien ou pas, on a tellement d'influences en tête, tellement on brasse de musique, tu vois, durant une vie. Tu écoutes de tout, tu as des périodes où tu écoutes du rap, tu as des périodes où tu es inspiré par ça, tu es inspiré par autre chose. Et pour trouver sa voix et le son ou l'arrangement qu'il faut pour créer et vendre ta musique, c'est pas évident. Et pour revenir à Laouchrolt, qui est on n'est plus sur Timothée, c'est pas Hagra. Non, c'est Hagra, alors là, mais pas pour du dire, tout, ouais. On a toutes les expériences que j'ai eues en dehors du pays. Quand c'est un festival ou quand c'est une vraie scène, tu vois, où tu as des Galjnas en face, si t'as pas une culture puissante, tu vois, pour te porter, Akban Tassrak tout petit, même si ta musique elle défonce. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris là. Ce que je veux dire, quand t'as Imrahan ou t'as un Tinariwan, tu vois, un Brahim qui est avec sa gratte, tu vois, en face stade, et qu'à des câbles, tu vois, parce que c'est pas juste lui, c'est toute une culture. Ouais, tu vois, c'est des siècles. Voilà, qui parle. Quand t'as Kitchouf à l'Al-Qsarit, ou là, quand tu vois l'ONB par exemple sur scène, pourquoi ça, tu ressens une très grande énergie? Bah c'est parce que, voilà, ils brassent tous les rythmes algériens, toutes les cultures, et ils exportent ça bien, tu vois, mélangé à toutes leurs... Et du coup, sur une scène internationale, c'est ce qui donne la force, et c'est ce qui fait la différence, en fait, quand t'es en face d'un public. À moins que tu connais Lauryn Hill, ou là... Oui, quelqu'un qui a vraiment quelque chose... Et encore, elle puise dans le gospel, elle puise dans la soul, il y a tout ça derrière elle, tu vois.
Mais moi, quand je, c'est pas Hagra, c'est beaucoup plus par rapport au fait que... C'est bien, mais voilà, comme tu dis. Non, parce que le truc, c'est... Non, mais parce que Timothée, quand tu l'écoutes tout seul, je sais même pas qui c'est Timothée, il existe même pas, je l'ai dit là-bas comme ça. C'est l'un de ses musiciens, c'est un super bassiste qui a enregistré sur Timothée? Le... Je crois qu'il a enregistré sur l'un des albums. Ok. Mais il joue plus dans, la, dans mais, le groupe. Mais tu sens que Timothée, il est dans, à sa place. Tu vois, lui aussi, tu sais, quand il joue sa musique et tout. Et des fois... Moi, ce que je dis souvent, il y a un côté très technique. Mm-hmm. Et en fait, il y a un grand côté très émotionnel. Oui. Et moi, je trouve que tu as révélé l'émotion en Nessim. Wow. Quelque chose qui lui manquait. Et peut-être toi, Youssef et Hassan, tous les trois, hein, peut-être, bon, là, tu es devant c'est moi. L'énergie donc, je te dis. Algérienne. Oui, c'est oui. L'énergie, t'as donc, ça veut dire que. Mais c'est pas parce que l'Algérienne, elle est mieux. Parce que Nessim, il est algérien. Donc, ça veut dire que Bhadouk, les sonorités, Bhadouk, les rythmes toute sa vie. Et à un moment donné, bon, tu sais, il y a des parcours, il y a une façon de faire. Ouais. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'est incroyable. Je veux dire, je crois qu'il n'y a même pas eu besoin de faire d'efforts. Vous êtes vu, tac, ça direct. Fait, alors ça. Que je pense qu'avec Timothée, il a dû prendre le efforts, temps ouais. de lui expliquer. Tarjem l'air, Et du coup, ouais, franchement, ça fait plaisir. Écoute, et du coup, la tournée, ça s'est bien passé. Franchement, hatta. Ça nous a fait plaisir de rejouer. Waharam, j'ai vu, il y avait plein d'articles et tout. Franchement, Waharam, vous avez et puis on a joué au théâtre, au superbe théâtre. Ouais, il est incroyable. Avec un théâtre tellement qdem que sur les balcons, quand le public danse, t'as les agents du théâtre qui demandent de se calmer parce que le bâtiment il est tellement vieux. Mais il est beau le lieu quand même. Ouais. Il est quand même. Ouais, chavou, je mec. Imagine. Eh oui. Eh oui. Mountia, Zahra. À quand le théâtre ou là le. À quand? Ah non. Ouais. On va voir avec Nessim. Je suis là, c'est quand tu veux. Et je dis pas parce qu'on est en radio. Voilà, comme ça, je me. Tu vas voir. Quelle chose en exclusivité. Zef ton PayPal. Tekbis. T'as dit tout à l'heure, t'as parlé de Fadela. Oui. Raf est à la Fadela, quoi? Tu veux que j'en dis Fadela Dzeria? Non, bah oui. Faut Fadela Dzeria. T'imagines un album hommage à Fadela Dzeria. Avec des sonorités jazzy. Même guitare, voilà, déjà, c'est top. Voilà. T'as drama à l'assistante. T'as juste mal les assistants. Peut-être vérifier est-ce qu'il est l'heure, ou peut-être vérifier les paroles. Mais non, arrête. C'est vrai, il faut dire, on a un rapport à Al-Kawali. On a un rapport à Al-Kawali, c'est Ourte l'Aziza. Ourte. Ça va, Nijmo? Nijmo. Nijmo, il a besoin de s'écouter. Non, il a ta musique, parle-moi, musique. Ah, bref, tu s'écoutes un club. Ah, bah oui, une taille de foot, oui, il va faire un épisode, Inch'Allah. Ah non, parce que je pensais que tu m'as parlé de... On est samedi ou là, on est dimanche. J'allais te dire non, frère, on est ni samedi ni dimanche. Allez, tu foutes samedi, Nijmo. Nijmo, oui, c'est vrai. Il y aura un épisode avec Nijmo. Voilà, ouais. On est en train d'annoncer les prochains. Ouais. Il y aura de belles surprises, Inch'Allah. Mais c'est improvisé, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on vit dans une ville qui absorbe le temps. Oui. En fait, il faut comprendre, surtout, on fait très souvent des soirées comme ça et on n'enregistre jamais. Exactement. Ouais, voilà. On s'est dit, on va enregistrer, on va partager avec les gens. On parlait tout à l'heure du besoin, du manque. Ouais. Comment, je vais rigoler quand les gens ils vont commencer à télécharger les épisodes, les couper, mettre sur YouTube. Tu vas finir en challenge TikTok, tu vas rien comprendre. Qui m'a le pounet à Jamil Meskin. Robert, le morceau avec... Non. C'est tout ce mot. Ni, mais je petit. Bref, le morceau, là, le petit poulain de Jamil. Ouais. Les mecs, ils ont coupé le morceau de son passage sur l'émission d'ailleurs Spotify. Genre, au Moktoub, version pirate. J'adore. Et on assume. Mais parce mais que. Mais il m'a caché les droits de. Bon. Non, mais je pense qu'il va enregistrer, il va le mettre. Mais... Et après, il va réclamer ça auprès de Spotify. Wesh, Fadela. يا بالله رجيا طويل القايمة يا سكن بين الغروف الاتنين لا ترعاشي في بحيرة لالا
مولات الخلخ للبورة لي C'est tout. La dernière version abonnement Spotify. Non mais attends. Abonné. Non mais attends. Là les auditeurs, franchement, ils sont en mode oh. Aïma yema shoshti matfoura Hedo seba senin masli كي جيت نصلي نسيت الصورة اتفكرت خليلي وبكيت ايا بالله رجيا طويل القايمة ايا سكن بينا الفروش لتني لا تراشي في بحيرة لالا مولاة لخلخان البورة لي اوكي خلوني نسمع نزيف لا تراشي في بحيرة لالا مولاة الخلخال البورة طليل ايما يما شوشتي مدفورة هادو سبع سنين ما صليت يجي تنصلي يا نسيت الصورة اتفكرت خليلتي وبكي سامحونا مي سيتي كول معليش فيرسيون عدرون فيرسيون بيزار فيرسيون هايلة فيرسيون بنينة سي فري كو جافو بليك نحب تو سكي هكا ونغني غنية باك نصوتي لواحد اخرى Ou là, on coupe un rythme, après je passe à un autre rythme. C'est pour ça que j'aime bien les jam sessions. J'aime bien, j'ai assisté à beaucoup de jam sessions où, non, pareil, hein, où j'ai chanté avec des gens. Voilà, ils connaissent une chanson qui m'a raconté tout à l'heure, Ivoirienne ou là. Après, je me dis, attends, mais il y a de la chanson, elle peut passer avec la nôtre. On est trop Ouais. Donc j'aime ça. C'est ce qui est le plus beau, généralement, les musiciens, pour être la partie des chanteurs, surtout la création. Bah, da. C'est ça. Quand l'idée arrive, vient la partie de l'ingénierie. Il faut travailler, te corriger, te réparer, qui est moins drôle, généralement. Ouais. Good luck, Reda. Allez, je profite, hein, depuis tout à l'heure, je passe la meilleure soirée de ma vie. Là, je suis bien. Oh là là. On est dans la labne, tiens. En fait, j'ai l'impression de... Fais-moi des souvenirs de ma vie. On est déjà à Zitkas. Alors, c'est vrai, c'est incroyable, oui, vraiment. Regardez comme ça. Je compte dire tiramisu. Maya. Dire tiramisu. Là, ça fait plaisir. Tu es égyptienne. La taille. Juste n'amour la taille, vite. C'est vrai, tiramisu, je bave. Ça a goûté les heures à Redoua, supposons. On t'a inscrit dans un concours de musique. Tu chantes quoi? Alors, haram tu mec noir.
C'est vrai? Oui. Pourquoi? C'est la chanson algérienne que j'aime le plus. D'accord. Tu vas la chanter? Ouais, le mais... Non, mais je sais pas, moi. Je suis en train de demander. Bon, pour les... Dès qu'on va dire, est-ce que tu chantes quelque chose? Alors, ça directement pour Nazim. En fait, j'ai l'impression que Nazim, il est l'équivalent de quand tu vas sur Google et tu mets la chanson espace karaoké. Du coup, non, mais t'es pas obligé de la chanter tout de suite. Hein. Non, non, tranquille, reste ça. Ou sinon, lequel m'a caché Haram to Bignou à Sissi Trani? Ça dépend l'humeur, ça dépend le mood. Allez, est-ce que c'était Gbila? Gbila, Gadna, Nazim, Bli, Houa, Anda, Fayrouz, au moins une fois par an. Est-ce que tu as des rituels comme ça? Oui, Nana, Bli, Bli, Hedek, Lorna. Ah oui, Anda, des rituels tout le temps. Genre quoi? À chérir pendant l'année ou même la journée. Par exemple? Par exemple, Anna Kinkhdem, quand je travaille, il y a deux artistes, soit un pianiste que j'aime beaucoup, soit un keltoum sur le fond. Enfin. Parce que c'est un bruit de fond qui ne me dérange pas. Alors que Lucan Del Feyrouz ou une autre chanteuse, je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. Ayarnina Umkeltou. Ya Habibi. Illilu Issama. Wingoumou Amaru. Amaru Saharu. Winta Wana. يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا الهوى أهمنوا الهوى أهمنوا الهوى أهمنوا الهوى منوا الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ونقول بالهوى يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سنة مش قبل سنة تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف 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 ليلة وليلة من كل العمر زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة واو واو هذا ما فات هذا ما فات Ça, c'est l'un des exercices les plus périlleux qui puisse être pour une chanteuse. Hein. En plus, assez, ouais. Ouais, tu vois, parce que l'inspiration. Oui, bravo, hein, vraiment. Wow. Pour le coup, Salima aurait dit t'as pas fait de Fasnat. Salima, je fais un gros coucou, Salima. Et j'ai dit, il y a le 17, Narkama. Drané, bissif. Khmous, khmous, Alik. La galère, Nazim, Mara, Jazairi, Randek, Alain. Rituel. Quand je travaille, c'est bien on keltoum. Malgré que drainé et tout, mais haka, le fond, parce que ça m'apaise ou je me concentre très très bien sur ce que je fais quand j'écoute on keltoum. Et sinon, un des rituels, haka, t'as d'autres. Tout dépend du mood. Des fois, si je prends la route, je conduis, j'aime bien mettre du Dire Straits ou des Pink Floyd ou là, des fois Tina Riwen ou. Il y a des jours où non, on aime vraiment des chansons de Khaled. Ça me.
كيما تاع كيف اللي نديرها تقول وقت السلاح هادي قاعده لا لا ريدا ريدا رجعنا ويضحك مو بيصون تخلد فوت مع صوري وما مليتش وياه وما مليتش وياه راني مضرور قلبي قتلته بالسحور وياه قتلته بالسحور وياه كل يوم سكران نتقلب في الكونطوار وياه نتقلب في الكونطوار وياه مادام عندي المحنة وما ندامش وياه دمشي ويا بارام 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 بام بارام 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 بام بارام 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 بام بام بارام 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 بام بارام 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 بام بام وراني مدموع قلبي قتلته بسحور ويا قتلته بسحور ويا مالغريت موفي صان صبر خاطري ويا صبر خاطري ويا قاع الزهر اللي عندي وزدتي لي الفاكرة ويا وزدتي لي الفاكرة ويا وقاع الزهر اللي عندي زدتي لي الفاكرة ويا زدتي لي الفاكرة ويا param 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 ديروا لها لقلب اللي راني نبغيها مازال هي عمري راني معاها في الدرجة من شونجي راني 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 قولها للناس اللي راهي عمري نشوف فيها الليل ونهار يلا ننزل بارام بام ديروا لها لقلب اللي راني نبغيها ومازال هي عمري راني معنا في الدلجة من شونجي راني 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 قولها للناس جنرال هي عمري نخمم فيها ليل ونهار ماشي غردي ماشي غردي ماشي غردي ماشي غردي انا جيم بيان هكذا بيكي ريد يكون في شانسون بعدا ندير لا ما جادور ما جادور كون جو هكا زعما يقول انا ماشي البلاصه عاود نسيب روحي بلاصه واحده اخرى نورمال نبغي لي سوق بيا جادور لي سوق بيا دونك صافا دير فريمون ونركب جو في كونفيونس زعما ما كاينش مشكل الله يراكم انفو صافي بليز والله غير هذا كامل سي لاتاي تاع امين هذا لاتاي شدرت في لاتاي فيها والو انتوما فيها حضرتكم على Ah, ouais. Alors, c'est vrai, ça fait plaisir. Franchement, on s'attendait pas à ce que on démarre. C'est le premier. C'est le premier. Sarah, c'est le premier. Je suis flattée que des autres. Franchement, ça va être chaud pour les autres. On vous le dit. Les autres, vous allez. Ramartou, des tout bien. Non. On a. Mais tu sais quoi, c'était le premier prénom les Kharj pour. Quand on a parlé de Sahara Ramadania, on s'est dit, ouais, on va commencer par... Je représente tellement l'Algérie. Gatlek l'Algérienne. Walid.
ام وليد تاع قالك ا ديفو دو رامني ام وليد ام وليد نقدروا ندير معاها بودكاست فيك خلاص كادي كبير لازم لك سبونسورينغ لازم لك بزاف صوالح مامن ام وليد لك سبونسور تاع الزبده وتاع السكر جي في فيزيت كاز جي ديفوالي روحها ما بيش حنايا غير اوديو دونك صافي ما كاينش مشكل تاع الفيزاج والله دونك نورمال والله غير سيريوزمون فو مافي فريمون دوني اونفي دو شونتي هيا فازي ودوكا جي جو جوست فوار افيك نازيم سي تو بو نازيم مسكين كي قلتي له هكا عينيه طاحوا هكا شويه عينيه راهم او نيفو دو مونطون لا نشوف في عينيه راهم جيت اللحيه تني تنساني تنسى وكري وحساني ونعود لك غريب براني يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنو يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنو لو صبت نعمل جنحاني نقطع طول وطاني ونقول لك يا لا لا هاني ونعيد لك مجرى بيا والقلب واشغبنو ونعيد لك مجرى بيا والقلب واشغبنو قولوا شهلت العياني اللي غرمها مداني خايني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه قولوا شهلت العياني واللي غرمها مداني خاني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه تك صحة ولا غير تك صحة franchement والله راك زهيتينا العرس Merci. Oh là là. يدي لو ديري لتاي ديري لتاي ومن خفت البران يدي ناري بيل الواد ريبي الواد وجيبي نعنى جديد يدي نا مانيش عليك مانيش عليك الاخر وطوني عيني يا الزينة قولي لي وا ولا لا لا ولا قطعيني الياس يا الزينة وديري لتاي ديري لتاي ومن قبسة للبراد يا طلبه يا الزينة مانيش عليك مانيش عليك ولا خرطون عينيك يا الزينة عينك كبار عينك كبار يدخلوا المحنة للدار يا الزينة والزين الزين والزين الزين وسكن سيدي يا الزين يا الزينة والفن والراي والفن والراي وخارج من بالعباس يا الزينة راني مهموم راني مهموم ومنك ما جاني نوم ايه ايه كيراني ولا مهموم يا كحلة العيون نجمات النجوم بابا بابا Tu veux ça?
ta 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 قريب درناها تي لا مي با هادي لا 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 هاي صرت وحده في البلايند تيست قال لي ميسيا انت شوبي سو ان مورسو صار غير طايرة وحمال قايله اه نو نو ماشي ماشي مي ان تروك لي غا نقولها لكم اون اي با اوبليجي دو فير توت لي فيرسيون لي غا جو لا ريغارد بور فير لا فان دو مورسو لا لي زيو فيرمي Non, elle va pas chanter. Qui m'a dit que je ne sais pas si je me suis dit, non, elle va faire tout le morceau. Ça fait 1h45. En fait, à l'époque, ils achetaient un disque, il y avait deux chansons dessus. Même pas, des fois une seule. Ouais, non, également. Une taumri. Hatta lafa. Bah, t'as chouette. D'amarha, c'est dit. صافي دير تقول لك نبغي غير خطره في حياتك بصح جاي فيه الياء نبغي بون با سا في فريمون بليزير اي اي والله سا في بليزير والله راكي اون فورم غايه كاع والله قلت لك بلي غادي لا بريسيون اللي راهم جايين صافي بليزير زعما اه فيفمون غادي يخرج هكا ليبيزود وكاع قلت لهم جماعه الزهره جات وبلتها Vous allez ouais, bien. Hein. Faut tout donner là. Ah ouais, là, c'est comme. Non, mais je t'ai tourné mal à Zim donc. Ça fait plaisir, c'est vrai. Ouais. Là, pour le coup, je suis en train de. En plus, je suis en train de. Tu sais, genre, là, j'ai envie d'écouter. Ça me fait limite chier d'avoir vécu ce truc. J'aimerais bien l'écouter, tu sais, genre vraiment, avec les enchaînements, je suis posé, tranquille. Donc, wallah, ah, je trouve que. T'arrives pas des fois quand t'écoutes les épisodes. Travaille à l'ingénierie, si, si. si, si. Mais allez, j'en ai des fabricants, c'est pas grave. Ça va, t'as passé un bon moment ? Oui, franchement, oui. C'est vrai ? De toute façon, je passe un bon moment avec Zitcast depuis l'épisode 0. Oui, c'est vrai. Tu sais que t'as été la première à partager Zitcast. Oui, c'est vrai, ça c'est aussi. Même avant nous. Avant nous, avant qu'on fasse le premier visuel. Oui, parce que je suis abonné. Sur Spotify Zitcast. Donc, quand il n'y avait que le teaser, j'étais déjà abonné. Eh oui, j'avais compris que tu avais reçu le truc. C'est pour ça que je reçois les notifications. Allez, vraiment, ça me fait plaisir, Yann. C'est vrai que c'est marrant, Gabelle. T'étais dans la vedette. Allez, je me suis bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours, hein, qui me disent. Il faut qu'ils continuent à nous écrire. C'est magnifique, c'est trop bien, merci. Abonne à un show. Madame Roland, s'il vous plaît, allez-y sur la page. Mettez bête ou les liens. Donc. Allez, je crois que nous avons un machin, nous Ben, ça, c'est nouveau. Enfin, les podcasts, c'est ce qui se fait en ce moment, mais il y a le concept, il y a le format et tout, où on peut parler. Librement et tout en rigolant. C'est Venez comme vous êtes sur ta iBot, mais c'est ta magasin. Come as you are. Oui. Ça ressemble donc dire des podcasts, mais Nazim, finalement, il y a. J'aime bien. Chier, d'abord. Allez, d'abord, je me débute à la mission. Nazim, il y a. Nazim, il parle, quoi. Moi, pour moi, genre, il avait des doigts. C'est la question piège, à dire. Heureusement qu'il n'y a pas l'image, parce que la réaction de Nazim. La réaction de tout le monde, j'ai envie de dire. Non, je ne sais pas, j'ai tenu encore la question normale. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, direct. Non, moi. Tu ne peux pas te répondre, je ne peux pas te répondre. Je vais te dire que le micro-trottoir, tu as dit, ou je m'en fous. Je fais le smartick. Est-ce que tu te rends compte? Oui, qui fait ça? Je fais le smartick. Il y a un bug. Il y a un bug pour la société. Il y a quelqu'un qui répondait. Il rigolait. C'est quoi le truc?
c'était un micro trottoir et c'était les Algériens bras. Ils ont le micro quand ils se marrent, tu vois, ils le caméra, tu vois. Et tu vois leur réaction, tu vois. Mais c'est vrai, Anna, j'ai pas de sœur et je suis une fille, donc quand on tape Max, je vais rouler un truc, je suis capable de le tuer ou de le tabasser. C'est vrai que Hortek. En fait, ouais, généralement, quand tu dis si, c'est très bien que c'est par respect le mot que tu joues à Hortek. C'est par. Bitaaddi, ça arrête là. Mais même si tu as une autre chose, tu as une autre chose. Ça dépend. Tu as dit que tu goûtes ta silte, que tu as dit. Allez, ça veut que ça dépend. Ça veut que. Jeddek. 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 Y a Amarek. Ou Amarek. Oh non, non, les expressions de ta. Ah, à l'époque. Pasco. 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 Y a Pasco d'Ort. Pasco, c'est impossible. Weldin, Weldik. ما دخلناش هنا كاين بزاف هكا لي زانسولت بالتراجع فيهم الريفيرب قال فيهم الريفيرب والدين 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 قاعد دورك شكون هما جد 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 ودي فوا ميم طون اون لاين على الدين دينك دينك ديجا عندها دين تنسولت لا ريجيون مونوثيست دافون Donc logiquement, t'es dans le game, ah non, ça, on va être insulté. Dîner, dîner, pour t'affler, donc c'est bien joué. Ah. Et ça, et on parle des autres, on est dans la même chose. Transition parfaite. Mais attends, tiens, c'est oui. Oui. Yalla. Parlons de... Allez, je harme tout avec nous, c'est pour ça. Parce que j'aime tout ce qui est poésie arabe. D'accord. En plus, c'est une valse. C'est une valse. Quoi? C'est une valse. Qui m'a la base? C'est vrai, il faut que je joue la base. C'est la base. Désolé, Zahra, fallait que je la place. Yeah, il m'a dit que la base. Basis. Chouya, basis. Basis. Allez. On se fait Zahra, allez, je haram tout avec nous, Aïssi. Parce que je parle, parce que. هذا مكان. أنا حتى ملي غادي تحكي لي عليها. سواء كي باب عندنا ما عندناش بزاف لي فالز. ما عندناش بزاف لي فالز وي وجا تروف تخي ملحنة رايحة شغل موشحة. نقولوا نتون جبت لي دوت ولا جو دوت لا نقولوا اون فالز ولا اون فالز. اون فالز. مالك؟ اون فالز. اون فالز. مي ابخي. Ça, ça a fou rire. En direct. Non, non, c'est venu à dire que tu as une anecdote. Tu as dit que tu as une anecdote. Je sais pas, tu as une souvenir. Ah, tu m'as. J'ai remarqué sur le Reda, il veut que tu as des histoires sur. Moi, j'adore les anecdotes en fait. Tu vois, genre, j'adore. Quand, tu vois, par exemple, parce que je sais que généralement on découle un moment très agréable. Tu avais Gutlak, où il a rituel, il a parlé de Fayrouz, paf, vous aimez le même album, directement, il tout renew. Et du coup, donc, je sais très bien, Billy, qui est une anecdote, c'est ça. Tu sais, j'ai un pote, il dit souvent les histoires les plus universelles, c'est les histoires personnelles. Donc ça veut dire qu'il y a une anecdote, ça va être le clic, forcément, ça va résonner avec l'autre. Et le fait de, que ça résonne, ben en fait, tu sais, genre, tu peux rebondir, tu as qui soit là, tu dis, ah oui, parce qu'en fait, le moment où généralement, je dis, le renier, tu vois ce que je veux dire? Je sais que je l'ai découvert très très tôt, ou comme un insan akdema, ou je suis en train de faire l'ardia, ou le canawet, le jazaïria, il y avait une émission, tiens, donc, puisque tu veux connaître l'histoire, il y avait une émission avec Tani Dachfa ou Laha, quand Jose vraiment Hagda, chaque jour, c'était juste 10 minutes et tout, et ça parlait d'Alger, la ville d'Alger, Kadima et tout. Et quand tu as le générique, tu as c'était Hadik Lavals, tu as Haram Toubik Nouassi. Et j'ai beaucoup aimé, parce que je sais pas, le rythme Hadak a djibni. Et puis voilà, en écoutant plein de chansons algériennes, Fadik la période, où j'ai eu Haka. Un focus que sur la musique algérienne. C'est comme ça que c'est. Donc, j'ai dit Haram Toubik Nouassi.
شتحكي شتحكي ما تحكيها ليش قولي لي شتحكي ممكن غنيها لك تفهم قولي والله لا على بالي على بالي شتحكي بس خصني انتي تقولي لي بالكلمات تبعك شتحكي ما نبدا نبكي قولي والله انا نبكي يا فلا ميوزيكا هي معليش بكي اختي نورمال جيب لها مشاور خليني لا قولي لي شتحكي حرمت بك نعاسي واش تحكي في ميزك لا جو سي با انتي قولي لي تفهم عربية رضا ما سيبوزون ما نفهمش عربي اه سيبوزون ما تفهمش عربي اه داكور اوكي انا ثقيله راني سان بويم تاع واحد تاع اون بيرسون كونت لا ميم بيرسون تيلمون تحبها تيلمون ك ك ك كال اونت سي نوي نشنو ندير لك اون ترادكسيون تاع كاع لو تيكست شي كاع لو تيكست زيدي واش نزيد لك واحد يقول لك انديريكتومون حاب يقول لك كاس كيل فو دير بور توا سيت شانسون اسكو على بالي على بالي انا بالي راني سيت شانسون ولا بالعاني راني ابري فوالا سي اون شانسون تريس ها فهمتو فهمتو هو هكا حبي حبي كروزي ف نحفر انا انت توجور افيك تاما Non mais j'ai ماشي كامل كاين دي شانسون vraiment يقيسوني à croire que on dirait عشتهم هذيك هذوك لي سيتوياسيون alors que non ما عشتهمش mais c'est ça te touche jamais هكا ما جاكش طال لك النعاس هكا على واحد ما نكذبش انا نرقد تمتم زعما ما عندي لي بروبليم دي موند في الحق وقت فوالا ديديكاس المايا نو سيريوزمون علاش مايا ما ترقدش؟ ما نكذبش انا سي دي سي فريمون دي بروبليم ولا اللي يخلوني بالك ما نرقدش ولا اون موفيز ديجيستيون مي باش نقول لك زعما نو با دورمير تمشي تعبير غني غني ما صراتليش مي كي نغني لا شونسون هكا هكا زعما نحسها انا ايجا جو لو في معليش معليش طاح جو لو في تو va bien لازم باكور نو مي سيريوزمون داكور فهمت انا بزاف سخانه في هذا الدار بزاف ليكيب كيس كي سي با على راك شي على الشوفا صاحبي نو ها بالك الشماعه زهره نو مي سي فري سي فري زهره والله شالور يومين سي فري سي فري والله لا زهره فريمون سي فري سي فري كي لا دوبي تو لور تي نوزا ليي هكا ميم سي هكا اوني لوان اوتور دو لا طابل تي نوزا تيلمون هكا تيلمون جمعتينا كو تحسب رانا في حمام انا قريب نكيسو اون بارلون دو حمام وي كيس كيا نوض فكرت رمضان حمام لافيت على يد داكور لي زانيكدوت هكا تاع تحب ياك لي زانيكدوت لا نبغي لي زانيكدوت تاع ماما كان نموت على لي زانيكدوت مي بون سي با غراف معليش فهمتك امين وين راك؟ يجيب الكاسه راح يجيب الكاسه لا لا سوفير سي امين جيب له جيب له جيب له جيب له حمود بارده جيب له حمود بارده Ou... Non mais plus sérieusement, on n'est pas obligé de vivre Kamel donc les situations pour sentir une chanson ou la être touché par une chanson. Non, c'est pas ouais. ce que j'ai dit. Allez, je te parlais de rituel, oui, à quel moment tu t'entends ça, tu t'entends ça. Ou la belle que ça te rappelle un moment, tu vois. Donc des mecs. Oui, il y a plein de chansons qui me rappellent des moments chez les autres. Tu vois, parce que moi il y a des chansons. Moi par exemple, il y a une chanson. Elle me rappelle qui avait dit que table à la mer, dit que table plastique. Les tapes pour le fil fil ou des mains de café à la Pas forcément, dit que table, dit que le carréin, mais juste la scène fait. Dit que j'ai une chanson qui me rappelle. هذيك الطابلة سي اي ماما ماي ماي مي كي نسمع اي ماما ماي ماي مي نشوف الطابلة ونشوف الكرعين جو سي با هكا سي دون سونس لا ما راني نحفر عليك ما والو هذا ما كان اي جو بونس كو ميم هذيك الطابلة يا انورمون دو بويزي في هذيك الطابلة ديجا كي قلت لكم الطابلة تاع الكرعين كاع شتوها كاع شتوها قد اللاعة في الرمل اه قد اللاعة وكاع واخواتها وكاع وهذاك الساندويتش Au départ, il n'est pas aussi bon que l'arrivée. Parce que qui a que le henda, le melh, qui j'ai bnine, qui j'ai assaisonné de l'humidité. Il y a des plats, tu ne les manges pas à la maison, mais la plage, ça passe. Mais oui, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est des images parfois. Ouais, c'est haka, sowar. Oui. Non, mais là, quand tu me poses la question, haka, tout de suite, non, mais j'écoute tellement...
la musique tous les jours, tout le temps. Même tout à l'heure pour Onkeltoum, vraiment c'est mon rituel qui je rédige ou là je fais un truc, ça me permet vraiment de me relaxer. Par exemple les Dire Straits, c'est ça me rappelle toute mon enfance et tous les road trips que j'ai fait avec ma famille. وين كانت عندنا كاسيطه هذيك نعاودو ندورو او نسمعو كي تلحق سلطان اوف سوينغ انا كنت ندير سولو هذاك مي دونك سي je peux te dire que هذا اللي me revient un peu plus vraiment كاين هذا اللي ولا لي بزاف parce que mon père est fan de ce groupe و برنا نسمعوه بزاف donc voilà. ايوا هي حر من الناس شوف par contre j'ai jamais pensé si j'ai une version acoustique t'as la chanson waouh. Alors, merci Ndumo. Merci. Yes. Et du coup? Non, parce que Khalid a dit ça de moi, je suis là. Bon, ça y est, c'est top. Alors, t'as cherché des anecdotes. Non, qu'est-ce que tu Non, il traque. L'anecdote, il y a bien des souvenirs. Avec mes bras. Oui. Ah, avec mes dômes. Avec mes dômes. Comme tu l'as dit avec une voix de la sagesse. Avec mes dômes, c'est vrai. Tu fais carte neuf haja, mais c'est plutôt drôle. C'est. Non, tu es petit, Anna, c'est plus marrant. Je vais raconter. Même en parlant d'anecdotes, mais. Genre, c'est les papas algériens. Je me cache les mains de l'action avec ta qui est rabbeb. ويرد قال فامي في نص الطريق ويدير دو ميتور واحد ويروح على البحر هاد العسى ما كانش اللي ما عاشهاش بونس لا هي كانت تبكي تفكر الروت شيب مع لا فامي انا هذا واش جاني نو احنا ما كناش نبكو كنا نضحكوا و تو فينا ما كان يهضر اونكو مي لا سي لا نوستالجي اللي فكر دونك سي لا نوستالجي ماجي بيير كو سا ماجي بيير كو سا ماجي حكي على فلونتان ولا اوندر لا نحكيها لك D'ailleurs, j'en parle dans le spectacle. Okay. Moi, j'ai non, il fait pas demi-tour. Rien n'est l'inenzel. Allez, Kaina, Kaina. J'adore. Moi, ça m'est déjà arrivé de Habes ou Galé et Yanzel. J'adore. C'est fou, hein, c'est fou. Parce que. Bon, parce qu'on a écouté Moulin le Machakil. Parce qu'on a un hadar, on a un bekri nahfar haka. Mon père, je suis sûr, j'étais jeune, je lui posais des questions. Papa, allez. Papa, quelle anecdote. Mais par contre, il n'était pas aussi patient que Zahra. Qu'elle est renée, les. Elle descend. Elle est kawit. Voilà. J'ai essayé de chouïa. Je suis un mais, non, c'est mais... mais c'est vrai, il y a ce. Ou là, sinon, avec le truc de. Putain, moi, si ça part dans les anecdotes sur le daron, genre vraiment, qu'il y a avec le côté, t'as. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'a emmené chez la famille, ou. Ça y est, où est-ce que. Le temps de partir, on rejoint ma c'est bon. du taxi, il a le premier 5 ans. Tu sais, où est-ce que c'est non, il démarre pas, rien, il a un peu ce l'accélérateur, il te fait. انا نوصل راك لي خطرا كنت نمشي نشفا كنت نمشي حبس لي واحد السيد هكا سوبر انيرفي كانوا معاه مرتو جو كوازو البناتو من اللور كانوا بيان صابي ماكياج ايتو وتبحروا باش يروحوا لا سال دي فات ما خابوهاش وفي حومتي هذيك لا سال دي فان في حومتي سادير لا وجابيت
comme il y a beaucoup de sa défaite, je ne pouvais pas savoir où. C'est-à-dire il fallait qu'il me donne le nom ou plus de précision. Donc on a regardé juste le RT بنتي plutôt oui جاي à la salle هو غير قال لي وين جاي à la salle بنات وقعدوا يهضروا اه لا صلاه هذيك اللي جايه من قلم بيت انا ربي سكتوا خلوها تهضر تسكنوا هنا علاش حبستها وانا صراكه وهذيك مرته من اللورد اللي هذيك تاع سمحي لنا شغل ايسي ديماجيني سمحي لنا وبعد كان غير نجي نهضر هكا وبنات يعاودوا لا ربي معكم رايحين انتوما ماشي انا قلت لك مهما زعما اكسبليكيتلوش قال لي اسمحي لي بنتي انا رايحين الى بارتي دي بارتي او ا سو جور جو مي دوموند اسكو ولا انا سولت سيكو الامبيونس في لا فواتور بوندون الروتور نو مي اسكو صح رجعهم ولا باسكو زيتي بيان صابي شوي سيغتان كو راحوا عند لا كوافوز ولبسوا جي الحطه هذيك شغل عافاك واش معناتها لا ديسيبسيون جينيرالمون حنا في الجزائر كونت اون فا مارياج سا سبلانيفي واحد السمانه من قبل ولا زوج وحنا كيسكو اون فا بورتي وعندنا حون فا فير نوت ميك اب شعرنا تعطي ماجيني لو جور سي خلاص عليك في الدار ولي لدارك ولي دارك وراكي رايحة إيه لا 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 صحيح صحيح donc oui des souvenirs mais c'est vrai ce que je vous ai raconté en tout cas c'était pas pour Dire Straits ou là c'est pas une anecdote c'est vraiment un souvenir on a vu là on a vu ce que ça t'a fait vraiment on a vu l'émotion que t'as eu ça veut dire que ça représente ouais un souvenir quand même c'est important un souvenir très 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 important surtout que voilà ça nous rassemblait surtout que chacun écoutait la musique d'Yelo j'avais mon grand frère qui était plus metal hard et tout mon deuxième frère c'était quelqu'un qui aimait que du rap que de la musique commerciale mais d'où je le go je rigole voilà off coucou et puis mon petit frère par contre il écoute un peu de tout c'est ça qui est bien un peu de tout mais l'album de Dire Straits que mon père aimait beaucoup nous rassembler pour nous aimer gars ou avec la chanson plus précisément qu'on en aura avec plus de avec beaucoup d'énergie qu'on aura une vacance et tout donc ça m'évoque beaucoup de souvenirs et puis là on est tous chacun est dans un pays loin de l'autre donc de la chanson عندها voilà pourtant c'est une chanson joyeuse hein mais chez ma fille Ahtad rien de triste mais et voilà Reda Malki allô ya mais il بغيو حرمتو بكنو عاسي داركم يحبوا هي صايا هادي غنيها لهم ليها بحت بك ناسي عشت بلا طعام بحت بك ناسي عشت بلا طعام وسال دمعي كاسي وسرت لك غولا وسال دمعي كاسي وسرت لك غولا حرمت بك نعاسي يا ميرة عشت بلا طعام الوحش جار علي وبعد عني المزاد الوحش جار علي وبعد عني المزاد يا ربي توب علي وبعد عني المايا حيت اصفر العشية نتوحش ضيا حيت اصفر العشية نتوحش
جار عليا وبعد عني المسا الوحش جار عليا وبعد عني الخيال يا ربي توب عليا وبعد عني الغايا حيت صفر العشية نتوحش فيا حيت صفر العشية حش المسرى on la retravaille. Oh, c'était cool. La spontanéité. Ouais. Bon. Là, ça sera un fondu, t'inquiète. Ouais. Ouais, après, ils peuvent couper. Hein. Ouais. On peut la couper même. Je te jure, là, non, je pense à Reda, j'espère qu'il va pas avoir trop. Non, ne pense pas à moi, tu te rends pas compte. Moi, c'est que du kiff, c'est que du plaisir. Hein. Vraiment, c'est tranquille. D'ailleurs, tu sais quoi, Hawa Amin, il y a des gens, des fois, ils nous disent, envoyez-nous les rushs. Il y a des gens, ils nous disent, on est prêt à payer juste pour les rushs. Et en fait, c'est parce que des fois, tu sais, il y a un besoin, comme tu as dit, il n'y a pas de contenu. Les gens, ils veulent entendre Swalah et tout. Ouais. Voilà. C'est une jolie rencontre, en tout cas. Voilà, moi, j'ai passé un bon moment grave. Franchement, super plaisir de jouer avec Zahra. Et c'est une découverte pour moi, mais après je m'en doutais que tu étais talentueuse et que ça se ressent. Je pense que les gens ils vont en avoir pour leur argent, c'est gratuit. Anna, je veux bien récupérer le a cappella de Kultum. Ah, franchement, je vais te l'envoyer. Ouais, grave. Bien sûr. Bon. Je sais pas à quel moment sera dit on a bon on a dit le Sahara dans le temps là tu m'as dit le Sahara comme Anaya bon c'est clair que je vais faire des remerciements c'est mahouli classique mais je dois le faire on va les couper au montage tu sais non franchement je remercie Amin Ben Chakron. C'est Amin Ben Chakron m'a vraiment Je sens qu'il est en train de creuser et de me faire sortir de mon trou. Si. Ton terrier. Si oui. Ton terrier, oui. Ouais. Et à chaque fois, il me dit. Je vais mettre une musique d'ambiance. Là, il me dit. Ah, allez, bah, magnifique. Non, sérieusement, Amin Ben Chakron, merci de faire partie de ma vie. Oh. Merci d'être un de mes amis les plus proches et d'apporter beaucoup de lumière. Vraiment, je le pense parce que depuis qu'il est là, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses positives. Nulla. Et d'ailleurs, voilà, l'idée t'as le podcast. Dès qu'il me l'a dit, j'étais toute oui. Pourtant. Je sais que beaucoup de personnes me proposent des fois, viens, on enregistre, viens, on fait des choses, viens. Mais il y a vraiment pas, il y a pas souvent avec le feeling, mais avec Amin et puis il y a aussi Reda depuis le mariage de Amin. Bah, ça, il y a avec la connexion. Donc je suis vraiment contente ce soir d'être parmi vous. Et puis
Quel bonheur d'être avec Nazim et de le découvrir autrement. Parce que bon, je, comme tout à l'heure, je sais que c'est un très bon musicien. En plus d'être son ami, je suis aussi une fan. Mais voilà, de jouer avec lui et se découvrir, c'est vraiment ouf. Il y a pas mal de choses que je peux faire avec Nazim. Donc, merci. Wow. Avec Saha. Alors Amin, j'ai eu le bilan تاعك مور هذا le premier numéro تاع زيد كاس مول الفطور. والله رحت خوما, je pensais pas qu'on allait passer une soirée comme ça. C'était incroyable. واحد صرا واحد الفيلينغ هكا, واحد الكونتاكت, و زدت جانا اليوم معهم نجمو. C'est vrai. Qui après, qui va vous partager les photos après. Il était là où il nous a accompagné aussi pour la qualité de son de la musique que vous entendez, enfin, en tout cas de l'enregistrement musical, de la guitare et de la voix. Et en plus, il a joué du piano derrière. Il a accompagné certains morceaux. S'y attendait pas aussi. En fait, il s'est passé des choses. Zahra Tlagatro Haranet. J'ai toujours le chorba fric. Direct. On a trois épices, taf. Charge épisode. J'espère qu'on. Il était incroyable. Oh, frère, vraiment, j'espère que Adjib compte vraiment être l'épisode parce que on a été spectateur. Avec Reda, on essayait à Kazama de parler un peu, mais d'un moment donné, en tout cas, ça nous a fait plaisir parce que c'est exactement le genre d'ambiance que les Malfin Jouzouham feront ça maintenant depuis une dizaine d'années. Et j'espère que vous êtes et attendez les prochains épisodes. En tout cas, merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, t'abonnez sur Instagram, Reda Stéré, Amin Ben Chakron. On a un nouveau venu. T'abonnez Nijmo sur les réseaux sociaux. On va mettre son Insta. Star Din. Nijmeddin. Aïe, 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 aïe. Comme d'habitude, Lou, merci beaucoup pour la musique, pour, voilà, pour tout ce que tu fais aussi. À l'heure où on est en train d'enregistrer, c'est bientôt l'IMSEC, donc ça va être pour vous, j'aimerais que vous vous dites amis. Oh, je vais vous dire que c'est ça va être pour vous.